Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Merci d'être en notre compagnie. On va s'informer, on va s'éduquer, on va apprendre plusieurs choses. Et comme toujours, on va saupoudrer tout cela de la folie légendaire nectarienne. Du coup, bonne arrivée à tous. Merci Melka. Quand je vois mon nom à l'écran comme ça, je sens que j'existe. Fallait que ça sorte. Tu étais belle avec ta coiffure que tu vas... En fait, tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu vas voir que toutes tes mèches sont tombées sur le lit. Ça, c'est la cruauté, la méchanceté. Hein. Voilà. Si vous deviez jouer un rôle dans les 101 Dalmatiens, ah oui. Qui choisiriez-vous d'être? Ça, c'est une belle question qu'on pose, on verra bien. Parce que bon, forcément, hein, tout le monde voudra être quelqu'un de gentil, alors que moi, je choisis Cruella. Voilà. Ça dépend de la version des 101 Dalmatiens. Oui, non, ma version à moi. La nouvelle version. La Cruella, là? Ouais. Ouais, Cruella, là. Non, mais elle a un style extraordinaire. Ouais, quoi que celle-là. Elle a fait des. Elle fait et des puis styles. Elle est gentille avec les Dalmatiens. Oui, c'est ça aussi. Qui... En fait, bon, ben, bon c'est fini, on est lancé comme ça. Oui, non, mais. Je... Bonjour la famille, bonjour la famille. Bonjour, maman. Bonjour. Non, mais attends. Non, attends. Donc, même toi, tu connais pas les 101 Dalmatiens. Tu connais pas au moins le Dalmatien? Oui. C'est quoi le Dalmatien, Elias? Alors... C'est le Dalma. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez, Dalmatien, c'est... le Dalman qui va souvent chez les siens. Ouais. Enfin, voilà, pourquoi tu me voles la vedette? Dalmatien. C'est quoi le Dalmatien? Bien, bah, bien, comment est-ce que vous allez? Ça va, super. Ça va. Excellente nuit. Excellente nuit, on rend grâce encore et toujours. Hein. Ça fait plaisir d'être encore là. On espère que chacun a bien dormi. Tu as vécu des péripéties de matin en venant, mais ô miracle, tu entendis la voix du Seigneur qui te dit, mon fils, vas-y. Comme il a parlé à Moïse, ne crains point, vas-y, je suis avec toi et tu arrivas. C'est les choses. Vous savez, quand vous vous réveillez de bon pied et que vous faites ce qu'il faut, vous vous connectez
je pense que sa grâce vous suit jusqu'à voilà, toute la journée. Donc des fois, il vous sort des situations et tu te dis « Waouh, c'est lui qui l'a fait !» Voilà. C'est quelque chose comme ça que j'ai vécu ce matin. Donc, en général, ce n'est pas lui qui te sort des situations. Mais c'est toujours lui. Juste que ce matin, je l'ai encore vu. Tu vois, on dirait qu'il était là devant moi. Même. Et voilà, et puis il a sauvé la situation comme ça. Il dit, fils, avançons. Et on avança. Ce qui veut dire qu'à la fin, quand tu vas démarrer tout à l'heure, il n'y aura rien dedans. Mais là, là. Bonjour Sandy. Bonjour Aïchou. C'est Aïchou. Si tu veux vraiment, voilà. Sinon, je vais très bien. Par la grâce, je l'espère pour vous aussi. Vous qui êtes à la maison aussi, je vous espère en forme. Un petit message pour vous ce matin, c'est de prendre de très bonnes résolutions. Prendre de très bonnes résolutions est très important et ça vous permet d'évoluer. Mais quand vous ne prenez pas de résolution, vous êtes là à stresser, à penser. Essayez de prendre de nouvelles résolutions et de très bonnes résolutions. C'est très important en ce début d'année. Mmh. C'est un petit message pour un petit rappel aussi. Petit message, petit rappel, résolution Nangaï, Eza résolution, Eza na résolution. C'est très important. Hein. Voilà. En fait, bonjour Aïchou, tu es à l'écran, donc voilà, ça va bien. J'adore tes tresses. Qu'est-ce que vous avez toutes à vous tresser joliment bien, et puis à nous narguer, Naïda et moi, qui nous tressons plus que toutes les autres dans cette famille. Voilà, non mais sérieux, c'est Rachel, notre maquilleuse, c'est ma petite sœur maternelle, paternelle. Donc, alias Aïchou. Donc, si vous avez envie de, voilà, vous pouvez m'appeler en inbox parce que c'est l'année de ton année, n'est-ce pas mon bébé? Amen. Amen, exactement. Allô, Alain. À la fière. Ah, ça y est. Bien. Alors donc, si nous nous lancions ce défi, toi et moi, on dit qu'il faut prendre de bonnes résolutions, de nous tresser, comme Rachel cette année. À notre manière, hein. Bien sûr. Je parle des couleurs, mais à notre manière. Ouais. Chacun est beau à sa manière. Bien sûr. Et on a notre manière. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc on se lance le défi. Je mets des mèches de couleurs. Ouais. En tout cas, tu es un rigoureur très très. Bonjour Naïda. Bonjour maman Aïcha. Plateau. J'espère Bonjour. Que tout le monde se porte bien. Bonjour à vos chers téléspectateurs chez vous. J'espère que ça va, que vous rentrez en janvier avec la joie, le bonheur, la gloire, pourquoi pas. Et comme le dit Navi Sandy et les autres, c'est important d'avoir des résolutions. Sinon, ne pas en avoir, mais savoir où on va. C'est très, très important. Yeah. En tout cas, 2022 est lancé. Hein. Tout de suite, on sera en train de fêter la Saint-Valentin et après... Ça partira à Pâques. Mmh. Je déroule l'année, en fait. C'est vrai, la couleur rouge... Depuis la demande en mariage d'hier, là, toi, tu nous pâtes. Ah, oui. Ah ben non, après la demande, je ne pâtais plus personne. Ah, oui. Tu penses à Saint-Valentin. Non, mais moi, le 5 janvier. Oui, je vois tout ce qui se passe déjà dans l'année. Je dis, mais préparons-nous, tout ça, ça arrive. Et c'est génial que ça arrive. Après le plateau hier, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, mes femmes regardent? Il y a des inbox, il y a des messages qui, voilà, mais de toute façon, comme l'a dit Batiana, Batiana a dit qu'il y a beaucoup, il y aura beaucoup de surprises. De mariage? Kenny West ou bien. J'étais sur la corde de Nokadi. Cher Kenny, si tu me suis, bisous là-bas. Finito. Maman est perdue. Tu l'as pour Yaya Rouge derrière moi. Bonjour Fafa. Bonjour maman, bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour mon cadreur préféré. J'espère que vous tous vous allez bien. Aujourd'hui, on veut juste vous dire d'être content. On veut juste vous dire de prendre de bonnes résolutions parce que nous sommes en train de prendre de bonnes résolutions pour vous cette année et nous sommes sûrs que nous allons vous impacter encore plus et plus et plus tous les jours. N'oubliez pas de mettre toujours Dieu devant, c'est très important parce qu'en toute situation, c'est lui qui sauve. Et comme il a sauvé Lia ce matin, soyez confiants qu'il le fera pour vous aussi. Passez une bonne journée. Bisous.
Yeah. Wow. Yeah, really straight. En tout cas, une chose est sûre et certaine, on le dit toujours, hein, quand on démarre, on aime bien partager avec vous comme ça les choses qui nous inspirent aussi. Même si on a la pensée du jour, même si la plupart des rubriques, on parle de choses qui inspirent, chacun dit quand même quelque chose à laquelle il a pensé. Right morning before coming here. Voilà. Donc aujourd'hui, on va en tout cas vous permettre à vous qui êtes à la maison de pouvoir nous dire, on parle de résolution. Vous voulez quoi comme résolution pour Nectar? Ah, Nectar. Because the way you are going right now, I can really not understand the shoes and everything. But yeah, it's there since yesterday. C'est l'orange qui avait derrière. Qui a fait ça? Qui a fait ça? The color of the nails. Yeah, nails also. Oh. Too powerful. Yes, everything is talking. Bref. Even your smile is talking. Yeah. Donc, du coup, vous savez, non, quand on a envie de savoir qui est celui-là qui fait battre le cœur de Miss Naïda Sambo alias fille de maman, parce que nous ne comprenons plus ses commentaires, tout tourne autour de l'amour, 14 février, le rouge, l'amour, même tout la ça. Couleur de la caméra, en vrai, elle est rouge, oh. C'est pas ma faute, maman elle est en afférons-nous. Rouge, la Miss Sambo est en rouge, il n'y a même pas que moi qui est en rouge aujourd'hui. Je dis afférons-nous, c'est mieux. Ah, oh. Tiens, la fille, c'est la fille. Tu vas pas aimer, hein? Tu vas pas aimer ce que j'ai vu. J'ai vu ta meuf là, en vie, avec un mec. Non, deux mecs. Non, trois mecs. Hôtel 8 étoiles. T'as déjà vu ça? Non, t'as pas vu, hein? Mais moi, je l'ai vu là. Je l'ai vu, elle se faisait draguer comme ça. Elle disait rien. Toi, tu vas rien faire. On l'a tous vu. Je l'ai vu. Ta vilaine tête. Fais quelque chose. Avec ton histoire tu racontes. Tu sais ma chérie, moi je l'aime. Elle m'aime, on s'aime. Tu vois. Mais affaire-moi. Tu l'as vu où ça? Mais affaire-moi. Dans quel baille? Mais affaire-moi. Tu sais je suis pas le genre de personne affinée dans la vie de ma go. Mais dis-moi tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Affaire.
bon, ben on va rebisser. Hein. Bisser, 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 bisser. En tout cas, le groupe, voilà, le clip, tout à l'heure j'ai dit le clip fan, non, c'est le tout fan. Voilà, le clip de tout fan, titre Affairage. Moi, c'est l'instrumental que j'aime. Très, 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 oui, quoi. Ça correspond avec le décor, mais on entend du Mina. C'est assez moderne, mais non, c'est trop bien. J'aime trop le clip, en fait. La musique moderne se base beaucoup maintenant plus sur l'instrumental, sur la qualité de l'instrumental. Et les Too Fan, ils jouent vraiment sur ça. Ouais. Ah, ça, c'est clair. Mais le clip, on parle de ouf, le décor, c'est dingue. Alors donc, Elias, aïe, 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 c'est pour quand? Parce que tu parles d'instrumental, tu dis... Le sourire de ça. Et Yazi, ça fait des mois qu'il est traumatisé. Je sais pas ce qu'il a traumatisé concrètement. Non, il y a juste deux semaines. C'est à cause de ça qu'il est traumatisé, même avant ça. Ah, traumatisé? Oui, non, parce que désormais, il est un peu... Je suis pas traumatisé, je... C'était donc tout fan pour vous, très chers amis téléspectateurs. Et Tsemefel l'a dit tout à l'heure, mon cadreur préféré, mon papa préféré, mon oncle préféré, chéri, le seul et l'unique, voilà, qui est vraiment ces chaussures-là, on va gérer les mocassins là, parce que je sens que ce sont mes mocassins que mon oncle a porté aujourd'hui là. Batiana? Il y a des mocassins blés. Voilà, ce sont mes mocassins, oui. On va parler de ça tranquillement. Oui, ce sont mes mocassins. Ouais. Exactement. Ouais. Quelqu'un a dit qu'il faut démarrer 2022, le premier trimestre, en mocassin. C'est-à-dire que pour affronter tout ce que tu as affronté, et quand tu as mis tous tes projets en route maintenant et que c'est sur les rails, tu peux commencer par mettre des talons, pas mettre les fabuleuses chaussures de Monsieur Elias. Donc, du coup, mes mocassins sont portés aujourd'hui glorieusement par mon oncle, le seul et unique. Batiana, bonjour. Je l'ai vu. Voilà, on va dire un petit coucou quand même. Et puis il a mis, Elias, comment on appelle la chemise portée par Batiana? Tu sais, les chemises avec, je veux savoir, hein? Toko. Toko. Ah ben, je comprends pas, c'est des chemises quand même. Les chemises comme avec le truc au coude là, il y a une manière de les appeler. Je veux voir si tu t'y connais. Elle dit tapioca. 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 Pour, Bonjour Batiana. Bonjour Batiana. Comment ça va? Ça va, on rend grâce. Ce sont mes mocassins, hein, donc on s'attrape à la fin, n'est-ce pas? Oui, oui. Et il prend les talons, c'est ça? Non, 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 il est à la présidence. Il est un talon, monsieur. Voilà. Bien. Quelqu'un n'a pas de micro, il y a Abraham qui fait signe. Ah, pour Batiana, le micro. Oui, c'est... Elle, après, elle va crier mon mari, mon mari. Oh? Oh? C'est un rouge, hein? Bonjour Batiana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et comme d'habitude, je salue les téléspectateurs et surtout... Elias, il peut terminer? C'est l'étranger. Ah, d'accord. C'est l'étranger, oui. Bon, nous sommes très contents d'être réveillés aujourd'hui encore. Et nous voici en pleine émission. Et nous remercions Dieu. Nous remercions Dieu, c'est très important. Mmh. Je salue donc voilà, toute ma famille. Ils m'ont dit, mais oui. Batiana, là, Batiana, il ne parle jamais. Il faut parler aujourd'hui là, un peu notre langue pour dire bonjour. Voilà. Oui, je fais quoi? Il faut parler notre langue aujourd'hui. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, Aïcha Mezenya. Mais c'est plateau. Oh. Mais c'est téléspectateur. Ah, Melka. Moi, je suis un mouroyo. Ah, d'accord. Aïe, c'est nous. Moi, je suis un mouroyo. Moi, je suis un régime. Moi, je suis un mouroyo. D'accord. Gemese, ma belle. Aïcha, Ngbala Nyongo. Aïe, aïe, aïe. Ah, d'accord. Aïe, aïe. D'accord. Voilà. Donc,
Merci beaucoup. Merci infiniment. Ma belle, c'est le cœur du beau. Oui. Jamais qu'elle boire ma bière directement. Naïda demande si jamais qu'elle boire ma. C'est elle, ma belle. Elle est belle, non? Elle est belle. Alors, en tout cas, je salue aussi ma belle. Ma belle, voilà. C'est très important. Et du coup, cette mes femmes va nous aider avec un Mr. Kukwe. Moi, depuis là, j'attends les barbes. Là. Ça me... Non, mais il faut plus avoir. Qui refuse de ressortir. Est-ce qu'il y a une résolution de barbe blanche pour 2022, M. Kogwe? Bonjour. Pour le moment, non. Ça peut venir en cours de route. Pas encore. C'est définitif en plus, hein. Ouais. Puisque. Oh, pourquoi? C'était tellement. Elle refuse joli. De sortir. Ça ne veut plus sortir. J'avais pris du temps. Maintenant, elle refuse de sortir. Oh. Ils sont en face de vous. D'accord. Est-ce que oui ou non? Oui. À force de... Comme pour les cheveux, il y a des moments où vous allez remarquer, durant des années, les cheveux ne poussent plus, les cheveux sont là, ça ne pousse pas, c'est qu'il y a une phase de repos. D'accord. Phase de repos. D'accord. La phase de repos peut faire trois mois, quatre mois, six mois. Non, je ne suis pas d'accord parce que Monsieur Kogwe non plus. Monsieur Kogwe, désolé, mais... Est-ce que c'est par choix ou c'est par... Au fait, c'est par choix. Hein. C'est par choix. Que vous vous rasez les cheveux. Ouais. Ah. C'est par choix. Sinon, c'était beau. Hein. Mais il y en a qui sont aussi imberbes. Oui, mais lui n'est pas un berbe. Il l'est pas. Oui. Et toi non plus, le problème... Le problème, c'est que toi non plus, tu n'es pas un berbe, c'est qu'il y a manque. Voilà. C'est madame qui a fait la décision. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que quand même, cette barbe-là... Oui. On attend des choses ce matin. Oui, cette barbe-là, franchement, elle vous rendait vraiment hyper séduisant. Oui. Hein. Oui. Hyper séduisant. Exceptionnellement, je vais la faire revenir. Ah, avis donc à toutes celles qui aiment les barbes blanches, grisonnantes, bien sexy. Vous allez retrouver ça bientôt sur le plateau Nectarien. Bonjour Abraham, tu vas où? Voilà. Non. Juste un coucou. Bonjour Abraham. Bonjour maman. Ça va bien? Ça va très bien. Ok, d'accord. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Okay. Un petit coucou aux téléspectateurs. Ok, je salue tout le monde qui nous suit tout de suite. Présentement, au Togo, au Ghana, en Europe, partout, je les salue. Mm-hmm. Okay, merci. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Parlons justement de Togo-Ghana. Hier, on avait reçu un message en anglais qui disait « Je veux épouser Semifa ». Et puis après, nous n'avons plus lu le reste. La personne a envoyé le message pour dire « Good morning, you all nectar ». Good morning. Hello. You didn't say anything about the lady yesterday. Okay. I said that I will buy her wedding ring. Bisous to her. Back a wedding ring. You have to buy her car. You want more? No, the house. Ring that is... Things. Nyam, nyam, things. The nyam, nyam, things. Yes, that, not the little ring. Oh. Voilà. The nyam, nyamness, we will measure it. Tchè, quelqu'un dit, Bachala fait vibrer la télé. En fait, soit c'est la personne qui vibre. On n'a pas compris. La télé n'a pas vibré. On n'a pas compris. Expliquez-nous, il fait vibrer la télé comment? La personne a vibré et puis elle voit la télé. Bonjour l'équipe nectarienne. Bonjour. Vous êtes toutes bien habillées. Hein? Qui a dit qu'il n'y a pas beauté dans mon dénigme? Il y a beauté, piam, tous mes voeux. Tout... Mais oui, c'est vrai, toutes. Et le coq. Alors, tous mes voeux de bonheur à cette émission tout le long de l'année nouvelle. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne journée à la famille Térémé Aricia à Agbalépédo. Vivement que Nectar nous donne l'occasion de faire passer des messages vocaux ou vidéo. Merci. Signé Aricia à Tchao, à Clesso, Jean-Pierre depuis Abidjan. Merci beaucoup. Merci. Bonjour le plateau nectarien. Bonjour. Mais Aïcha, j'aimerais bien voir les fameux mocassins de ton Bachana, s'il le veut bien. Bonne émission à vous. Eh, hey, hein, en tout cas. Alors, bonjour. bonjour la famille Nectar. Vous allez voir, hein, vous allez bientôt voir les mocassins. Ils ne vous en faites pas. Alors, bonjour Nec. Bonjour. L'enfant est le père de l'homme. Petit, on le corrige. Grand, on ne peut plus. Fin de citation. Signé DJ Jean Mohamed, le chrétien musulman.
depuis l'hôtel bar restaurant tananana, depuis Avedji, dit Carrefour Danger, le quartier des vrais, des faux. Yes, bon temps, c'est un DJ. Oh. Ok, on comprend. Alors, bonjour la famille Nectar, que la grâce divine vous accompagne tous les jours. C'est Luc depuis Atakpamé. Merci infiniment. On a un coucou à vous tous. Coucou. La belle Naïda, tu es mon épouse. Je t'aime, tu m'aimes, oublie. Je ne suis pas d'accord parce que d'abord Kanye West il vient de chez moi et les gens de chez moi ne sont pas voyous. Hein. La personne, le voyou d'hier, ça veut dire quoi? Iwa, maman, maman, Kanye. Voilà. On va faire son affaire. Oui, alors on a bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Super. Yeah. Monsieur Elias, toujours très élégant. Franchement, ouais. Vous êtes un modèle et un exemple. Ça, n'écoutez rien. Pas. Quand on l'appelle pas, ou alors quand on dit. Attends. N'écoutez pas. N'écoutez pas les gens qui vous ont surnommé chauve-souris. J'avais oublié cette affaire, mais là. Un chauve qui sourit. En fait, le problème, c'est que tu. Ça ne... passe à une, quoi. Tu ne l'avais pas vu venir. Hein. Non, alors, monsieur Elias venait, souris, je veux voir. Et puis, lui aussi. Et puis, il dit, ah, chauve qui sourit. Chauve sourit. Au revoir. Tiens, il t'a pas loupé. Non, en fait, ce que je comprends, on dit, un chauve qui sourit. Et après, on dit une. Oui, non, mais quand même, pour lui, c'est le masculin. C'est un chauve-souris. Voilà. Bonjour à vous tous. Vous êtes bien habillés ce matin et toujours de bonne humeur. Nous en avons besoin. Merci à vous. Bonne émission de la part de Monsieur Habib. Merci, Monsieur Habib. Bonjour. Vraiment, merci pour le sourire que vous nous arrachez chaque matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les techniciens ne sont pas du reste. Signé Docteur Maurice depuis Farendem. Merci, Docteur Maurice. Alors, bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? On vous aime fort. Bachana, là, il est trop beau. Hein. 2022, là, il n'a qu'à vilainer un peu. Ah non, c'est mon grand-père. Je tiens la beauté de lui. Comment on s'en dit? En fait, je... À la firme. Pour s'en le dire... C'est impossible, en fait. Pour Bachana, c'est impossible. C'est compliqué de s'en le dire. Sauf quand tu es ici. Oh, Naïda. Alors, on a un bonjour, Nectar. Vous êtes tous mignons ce matin. Juste bonjour, pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Que cette nouvelle année vous donne tout ce que vous voulez. C'est Paul, président de la fanfare Belle Mélodie. Mon bébé, mes jumeaux. Bonjour. Paul et Pierre. Oui, Paul et Pierre. Exactement. Allez, ce qui me fait rire, c'est des vieux barbus. Vieux poil, lui est barbu. Bonjour, mon bébé. Oui, mais. Oh mon regard. En même temps, fais doucement. Non, mais vous êtes d'accord avec moi. Je vais demander à toutes les mamans qui nous suivent présentement, et même Elias qui est ici. Une mère, c'est une mère, quoi. Une mère, quelle que soit. Maman, je suis non. D'accord. Non, c'est-à-dire que. Allez, Amiado, t'en fous la visière. Quand tu vas chez maman. Je suis pas une mère. Non, quand tu vas chez maman, une mère. Elle me prend dans ses bras, elle dit Elias, viens. Voilà, c'est-à-dire que. Je rentre dans ses bras, quoi. Tu rentres dans ses bras. Elle donne la bombe. Est-ce que tu ne veux pas être un peu rigoureux avec ton français? Ça, j'ai dit. Oh Seigneur, la honte de ça. En tout cas, je préfère me taire. Là, je parle plus. Ouais. Il y a du scotch là. Je parle plus. Motus bouscus. Bouscus. Bien, en tout cas, très chers amis, comme je vous l'ai dit, hein, de la joie, de la bonne humeur, on fait tout pour pouvoir vous en donner. On fait tout pour pouvoir vous en donner sur le plateau ici. Mais comme nous le disons également, des informations, nous sommes là pour pouvoir en parler. Et aujourd'hui, on aura un combined administration. Je ne sais pas comment le dire rapidement, Elias, explique-moi, Naïda. On va avoir un combined administration entre Pépite Beauté et Mnec Santé.
C'est-à-dire qu'on va mélanger Pépite de Beauté avec la présence du psychologue Saf pour parler de quelque chose de très important. Et on aura également à parler, vous le savez, on parle d'entrepreneuriat, on parle de résolution pour 2022. Il y a déjà des choses qui démarrent, des formations, des choses, des accompagnements. On va en parler pour pouvoir inciter tous les jeunes qui nous suivent à savoir comment faire pour pouvoir réaliser une belle année 2022. Mais pour le moment, en tout cas, elle nous vient du Bénin. Elle parle vraiment de tout ce qui concerne le couple et le mariage. La coach Joanne Fanou, c'est maintenant. Mes amis, chers conquérants, bonjour. Comme vous l'avez certainement constaté, depuis quelque temps, nous développons des sujets qui sont lié à la question du célibat. J'ai l'habitude de recevoir des gens, des femmes ou des hommes qui pensent que le célibat est une malédiction. Il y a des centaines, des milliers de femmes de par le monde entier qui passent leur journée à chercher à être délivrées du célibat. Le célibat n'est pas une malédiction. J'ai l'habitude de dire, si le célibat est une malédiction, cela veut dire que le mariage aussi n'est pas une bénédiction. Le célibat, c'est quoi? C'est un temps que Dieu nous accorde pour nous permettre d'aller à notre rencontre avec nous-mêmes. Surtout lorsque nous avons démarré très tôt des relations amoureuses avec d'autres personnes. Lorsque nous avons eu à faire beaucoup d'expériences avec des hommes ou des femmes et que cela n'a pas abouti à un moment donné, le Seigneur nous accorde un temps de repos qui nous permet d'aller à notre rencontre avec nous-mêmes pour revoir notre vie, pour nous accepter, pour nous aimer et pour décider d'être d'abord la priorité pour nous-mêmes. C'est vrai qu'à certains moments, lorsque le célibat dure un peu trop, jusqu'à 50 ans, jusqu'à 40 ans, 45 ans, tu n'es toujours pas marié, tu n'as pas d'enfant. C'est normal que tu te poses des questions, que tu te dises, mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi mes relations n'aboutissent jamais? Si tu as fait tout ce qui est d'ordre physique, tout ce qui est d'ordre scientifique, tout ce qui est d'ordre technique en termes de mariage, pour que tes relations soient paisibles, harmonieuses, et que cela n'aboutit toujours pas, tu dois pouvoir te poser des questions et te demander, est-ce que mon état de célibat n'est pas lié à une cause familiale, à une cause spirituelle? Est-ce que ce n'est pas de source spirituelle que le célibat dure si tant dans ma vie? Il faut simplement chercher à comprendre pourquoi est-ce que la chose se produit ainsi dans ma vie et à s'en sortir. Donc, vous n'avez pas besoin de crier sur tous les toits que vous êtes maudit parce que vous êtes célibataire. Ce n'est pas bon. Vous êtes une bénédiction pour Dieu. Vous êtes des personnes que Dieu a envoyées sur terre pour des raisons bien déterminées. Il a créé et il a prévu pour vous des choses qu'il a prévues pour personne d'autre. Et chacun dans ce monde a son histoire. Sans histoire, vous n'avez pas de témoignage à faire pour Dieu. Et cette période de célibat que vous vivez doit constituer pour vous une période que vous mettez à profit pour apprendre, pour vous connaître, pour vous affirmer, pour aller à l'école de vous-même. Vous ne pouvez pas passer votre temps à chercher à être délivré du matin au soir du célibat. Vous avez été délivré il y a 2 mois. Vous cherchez encore à être délivré il y a après 3 mois. Après 1 an, vous cherchez toujours à être délivré du célibat, non? Une fois que vous acceptez Dieu dans votre vie, vous acceptez Christ dans votre vie, et la malédiction n'a plus sa place dans votre vie. Vous devez être conscient de la puissance de Dieu dans votre vie, de ce qu'est le Saint-Esprit dans votre vie. Vous devez savoir qu'une fois que le Saint-Esprit vit en vous, il n'y a plus de place à la malédiction, il n'y a plus de place à la mort, il n'y a plus de place au désastre. Vous n'avez droit désormais qu'à la vie. La vie suppose un mariage heureux, une vie où il y a des relations paisibles et heureuses, la joie et l'harmonie dans votre vie et dans la vie des personnes qui vous entourent. Vous devez être conscient, vous devez comprendre et accepter cette vérité dans votre vie et décider de ne plus vous
dire qu'en tant que célibataire, vous êtes une malédiction. Je dis non. À partir d'aujourd'hui, déclare comme moi, je suis une bénédiction. Ma vie doit être un témoignage. Ma vie doit être un témoignage et c'est vrai, on en a même parlé avec la coach Fanou quand elle était sur le plateau l'année 2021. On disait qu'il y a deux camps, hein. Il y a le camp pour qui obligatoirement il va falloir se marier parce que ne pas être marié, c'est voilà. Et puis il y a un autre camp qui dit que non, il ne faut pas se presser pour pouvoir entrer dans le mariage. Et concernant la coach Fanou, juste Naïda, tu bailles? Non. Tu quoi? Je me commémore tout ce qu'elle a dit. Je en baillant. Wow. Elle a dit plein de choses. En fait. Ouais. Ah mon Dieu, quelle famille. Bref, en tout cas, c'est et puis elle disait, il y a un post, je crois que c'est Effie, qui a fait un post qui disait avoir le nombre de mariages qu'il y a eu en cette fin d'année-là, il faut que tous les étudiants qui sont en train de faire des études de droit soient conscients qu'ils vont avoir beaucoup de boulot. Parce que tout le monde veut tellement se marier juste pour de mauvaises raisons. Qu'après, dans 10 ans, il va forcément y avoir ci, il va y avoir ça, et puis on va. Ben voilà. Donc, ils n'ont qu'à se spécialiser. 10 ans là-même, c'est beaucoup. 10 ans là-même, c'est beaucoup. Oui, il y a des gens qui font plus, même plus un an. Il y en a à peine 2 ans, c'est fini, ça capote. Bon. Il y en a, tu entendras, je voulais le quitter, c'est parce que je suis tombée enceinte que je suis restée. J'ai entendu ça tellement de fois, et alors que le mariage faisait à peine un mois ou deux. Mais est-ce qu'on... Bon, c'est compliqué. Hein. On parlait de nos parents. Si on rejoint nos parents, quand on se retrouve dans ce genre de situation, c'est vrai qu'il faut rester. Il faut rester pour que l'enfant puisse bénéficier d'un cadre familial, d'un foyer qui n'est pas forcément harmonieux. Et revenons donc à la vidéo de Madame Son... de la coach Joanne quand même, elle dit que le célibat n'est pas une malédiction. La plupart du temps aussi ici, je voudrais avoir vos apports, on voit une amie qui vient de se marier, on se dit « oh waouh ». Et quelqu'un m'a dit « connais-tu le pourcentage de jeunes femmes aujourd'hui qui, comment tu as dit nyam nyam là, qui s'achètent elles-mêmes des rings nyam nyam pour porter juste pour qu'on ne le dise pas ?» qu'elles n'ont personne dans leur vie. I was like, est-ce que c'est réel ou pas? You are like. Alors, je voudrais avoir les apports des uns et des autres sur ce que Madame Joanne vient de dire. On va commencer par le futur. Par Elias. Bon, je crois que le célibat, ce n'est pas une fatalité déjà. Ce n'est pas une fatalité. Je pense que la coach qui nous en parlait ici au plateau, comme quoi c'est une étape qui devrait nous permettre de nous connaître d'abord, de connaître nos forces, nos faiblesses et de nous préparer en fait à l'étape à venir, c'est-à-dire le mariage. Donc je pense que la coach a tout expliqué déjà. Il est important qu'on... Là, c'est à un jeune que je parle, peut-être important de s'asseoir, de se découvrir soi-même, de savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, de préparer cette étape qu'est le mariage, tant financièrement, que spirituellement, si je peux le dire, parce que quand on parle de mariage, c'est accueillir une personne d'une autre éducation, d'une autre famille, d'une autre culture, je sais quoi, que vous accueillez, donc avec vous, vous faites chemin ensemble. Donc là, ça implique beaucoup de choses. Donc ne pas se presser, mais en même temps, je le dis toujours, et je pense qu'on l'a dit la dernière fois, qu'il faut pas aussi dormir sur ses lauriers, dire que, bon, je sais pas, qu'on attend on a une idée préconçue. Moi, je l'ai toujours eu, avoir une grosse richesse, avoir des terres quelque part, de grosses maisons, de grosses voitures, avant de faire le pas, ou je sais pas, attendre une voix qui te dit, vas-y, mon fils, avance. Bon, est-ce que forcément il faut tout ce tralala-là? S'il y en a, d'accord, on y va, mais il ne faut pas aussi trop attendre et tout ça. Donc je crois que le célibat est une étape où on se découvre et prenons le temps de nous découvrir. Et quand le temps vient aussi pour le mariage, on fait le pas et on avance. On fait le pas et on avance. Hein. C'est mes femmes. Bon, je dirais que le célibat est une bénédiction. C'est quoi? Une bénédiction. Le célibat est une bénédiction. Et le mariage, une malédiction? C'est aussi une bénédiction. Ah, ok. La bénédiction vient
de toutes les parties de nos vies. On va dire le célibat, c'est un long processus par lequel nous pouvons nous découvrir, savoir qui nous sommes vraiment. Ça nous permet aussi d'avoir plus de relations avec nos familles. Comme ça, on saura en fait, quand quelqu'un rentre dans nos familles, comment est-ce que ça sera. Des fois, quand tu n'es pas seul, tu es tout le temps avec la personne. Ou bien tu vis tes choses au dehors de la maison. Mais quand tu es célibataire, des fois tu sors, quand tu reviens, tu regardes. Il y a toujours un sujet qui va aller dans ce temps-là et tu auras en fait des idées sur comment est-ce que ça sera pris quand ce sera le temps. Donc moi je dis que c'est une bénédiction. C'est vrai qu'au fur et à mesure, nos parents vont toujours nous appeler, vous dire « on est chi ». Mais quand tu leur dis « je ne suis pas encore prêt » ou bien « ce n'est pas encore le moment », donne-moi le temps, Dieu aussi le fera pour moi. Au fur et à mesure, c'est que les parents doivent comprendre. Mais s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas grave, ne te presse pas. Sinon, il y en a qui se pressent. Ce matin, je me suis réveillée avec cette idée-là. Ce n'est pas la peine de se presser. Quand tu te presses, tu vas mourir tôt. Pas mourir de trucs là, mais mourir quand tu te jettes d'un coup comme ça dans quelque chose, irréfléchi et pas, comment dire, préparé spirituellement. Tant spirituellement, financièrement que sur d'autres plans, tu vas vraiment être à terre dans un moindre délai en fait. Ça se choisit aussi. Ouais, le célibataire se choisit aussi. Ah. Il y a certains qui choisissent. Donc on choisit d'être célibataire. Il y en a qui choisissent aussi. Ouais. Ça c'est Batiana qui dit ça. On va lui demander parce que dire que c'est ton choix avance. Oui, Elias. Attends, moi c'est vrai. Allez-y. Moi je crois que si on prend la majorité de, enfin si on prend sur 5 personnes, il y a au moins 3 qui n'ont pas choisi. Célibat. Ouais, leur célibat. Ça c'est. Ouais, mais c'est pas un choix. De nos jours, c'est assez fréquent de choisir d'être célibat. De choisir le célibat. Ouais. Mais sur 5 personnes, je pense qu'il y a 3 au moins qui vous diront qu'ils n'ont pas choisi. Moi, je dirais 4. Qui l'ont choisi? Ouais. 4 sur 5. Est-ce que vous êtes d'accord, chers amis téléspectateurs? Pourquoi vous appelez célibat? C'est ça, merci. Il y en a, c'est mais ils ont des petites concoins chez moi. Plusieurs choix et tout. Voilà, ils vont de. Comment pas les quoi? Donc, oui, c'est célibat, c'est ça. Donc, comme on le dit, ce ne sont pas les divorcés. Enfin, à partir du moment où on a quelqu'un dans sa vie, est-ce qu'on est célibataire? Non, on n'est plus célibataire. Officiellement, il y en a qui disent qu'ils le sont, mais parce que être célibataire, c'est vrai que quand tu signes sur les papiers célibataire, tant que vous n'êtes pas marié, voilà, devant la loi tu es célibataire. Voilà, devant la loi tu es célibataire, mais attends, tu as quelqu'un qui vient, quelqu'un qui tu parles et tu dis je t'aime et tout. Attends, tu n'es pas célibataire. Exact. Donc il y a deux cas. Il y a la morale. Là, on parle de marier. José a chanté diplôme. C'est une façon de dire oui, je suis avec toi, mais tant que tu ne m'as pas légalisé, il n'y a pas de, quasiment, il y a rien. Mais ça ne veut pas dire que si on se replace dans le contexte de la chanson, ça ne veut pas dire qu'elle était célibataire. Ce n'est pas du célibat, mais tu n'es pas marié non plus. Donc Je crois que c'est justement ça qui n'est pas une bonne situation. On va revenir sur ça. Mais Batiana a dit quelque chose tout à l'heure, que le célibat se choisit. À part, on n'a pas Victor, mais à part les personnes peut-être qui, par choix, on a les ascètes, on a les moines, on a les prêtres, on a des personnes qui, par conviction religieuse, disent « je ne veux pas ». Me marier, parce que bon, est-ce que disent même, elles savent qu'en choisissant cette vie-là, forcément, c'est le célibat qui s'adjoint à cela. De chasteté. Merci. Est-ce que quelqu'un. Tu maigris et les choses grandissent. Alors, est-ce que quelqu'un se dit, moi, je suis, désolé, un homme bien portant, je n'ai aucun souci, je n'ai aucun problème, mais je choisis d'être célibataire parce que je choisis d'être célibataire. Et comme le dit Naïda, célibataire vrai, vrai, c'est-à-dire je choisis d'être célibataire. Quoi. Oui, mais en dehors des sœurs religieuses et les prêtres qui ont choisi ce métier et automatiquement être célibataire, il y a aussi dans la population certains qui choisissent. Peut-être il a croisé une situation là et il s'est dit, je ne vais plus me marier,
C'est une minorité. Ou bien, il ne s'est jamais marié, mais il a vu à côté ce qui se passe, il dit non. Moi, j'ai choisi d'être célibataire, il y en a. Et puis, c'est une minorité. Le célibat, c'est le mariage qui vient limiter ça. Le célibat ? Oui, oui, oui. C'est le mariage qui vient couper ça, l'étape là. Oui. La fille considère qu'elle est en couple avec toi, mais toi, tu sais qu'elle n'est pas en couple avec toi. Il y a ça aussi. Tu peux. Au début, tout le monde est célibataire. Oui. À un moment donné, après, tu te maries. Si tu le veux, tu te maries. Tu peux peut-être, c'est toi-même qui le voulais. Ou bien, c'est l'entourage qui t'oblige. Oui. De toutes les façons, tu te maries et ça limite ton célibat. Maintenant, ce n'est pas fini. Tu peux être marié et d'un jour à l'autre, redevenir célibataire. Après le c'est-à-dire, divorce. Quand on divorce. C'est divorce. Oui. OK. Redevenir célibataire. Et peut-être, en ce moment, tu choisis être célibataire jusqu'à mourir. Oui, il y a des gens comme ça. Alors, donc, qu'est-ce que nous mettez, monsieur, qu'est-ce que vous mettez dans... Ça fait prématuré. Oui, on va en parler tout à l'heure, qu'elle sera là. Mais alors, du coup, parce que dans la vidéo, Madame Joanne dit, le célibat n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Mais à partir du moment où on dit qu'on a vécu un fait qui nous force, on va le dire, nous contraint à décider que je veux être célibataire. Là, à partir de ce moment-là, le célibat n'est pas une bénédiction. C'est une contrainte. C'est une contrainte. Non, ce n'est pas une malédiction. Non. Même si nous choisissons être célibataire, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Mais tout de suite, quand tu vas vers un religieux, ou bien bon, un féticheur ou qui que ce soit, il trouvera à dire. Et son dernier mot, c'est que tu es maudit. Voilà. Partout où tu passeras, on te dira ça. C'est la société. C'est la société. Ce n'est pas une malédiction. Bon. Puisque tu es allé vers la personne, la personne trouvera à te dire à ça. À te dire. Oui, il te dira que tu es maudit. Et il va trouver des arguments pour te convaincre. Mais comme le dit Elias quelque part, si c'est parce que tu cherches et que tu ne trouves pas, est-ce que là, on ne vient pas sur le coup de quand même penser que c'est... Pourquoi je cherche et je n'en trouve pas? Je ne sais pas comment le dire. Ouais, cette polémique-là de KS. Tu cherches, tu ne trouves pas. Qui disait que c'est la femme... que ton temps n'est pas encore arrivé. Ah, il y a des gens qui n'ont jamais trouvé jusqu'à partir. Oui. Il y a des temps, c'est vraiment. Dieu qui a décidé ainsi. Est temps temporel. Oui. Tu parlais de K.S. Bloom. K.S. Bloom qui disait... tu ne vas pas te plaindre. C'est Dieu qui a, oui, c'est Dieu qui a choisi pour toi. Ça n'arrive pas facile à avaler. Oui. Non. C'est tout comme... Tu te bats en travaillant. Tu veux, coûte que coûte, être riche, avoir de l'argent. Mais Dieu ne vient pas. Mais tu fais tout. On te paye bien, mais tu ne deviens jamais riche. Ça, c'est une malédiction. Côté, un mendiant... qui est en train de réaliser des choses. Mais est-ce que ce n'est pas une malédiction là-bas? Là, on est dans le coup de la malédiction parce que si, là, nous entrons un peu en spiritualité et ce qu'on nous enseigne, c'est que Dieu n'a jamais voulu que qui que ce soit dans le malheur. Chez nous, Et si toutes ces choses-là, parce que le mariage, forcément, est une bénédiction quand on a trouvé la bonne personne, est-ce que quelque part, le mariage n'est pas une bénédiction? C'est une bénédiction, Dieu veut que tu te maries, en fait. Non. Non? Ben, si nous disons que être célibataire, c'est une malédiction, et les mariages qui ne sont pas stables, c'est une malédiction aussi? Quelque chose n'a pas marché. Quelque chose n'a pas marché. Tu vas te dire que je préfère, en ce moment, tu te diras, je préférerais être célibataire. Qu'être, il vaut mieux être seul que mal accompagné, ça c'est clair. Non, ce n'est pas une malédiction. D'accord, merci beaucoup Batiana. On a d'autres messages et on a le célibat. Moi je dis que c'est un exercice. Quand tu as la réponse, tu gagnes. Quand tu n'as pas la réponse, tu restes là. Excepté les prêtres catholiques, ceux qui disent qu'ils choisissent être célibataires, c'est qu'ils n'ont pas réussi cette étape. Ou bien Elias, mon modèle. Ah,
Ah, vous aussi. On vous a dit Elias, il n'est pas célibataire. Hein. Très, très bientôt, on va vous partager des choses. Hein. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Vous êtes tous mignons. C'est Kimo depuis Hihiatro. Salut. Bonjour, comment allez-vous? J'espère beaucoup. Juste un bon bonjour. Je suis actuellement, que Dieu vous bénisse, signé Gérardo depuis la Belgique. Merci, merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour. Il n'y a aucune filière universitaire qui enseigne l'art de bien réussir son mariage. Ah, oui. Beaucoup se marient selon leur tradition, leur culture et selon le modèle du monde. Or, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et chaque fois que Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il présente toujours le modèle céleste de cette chose et il nous demande de le reproduire fidèlement. Il y a un modèle céleste du mariage. Tant que nous, humains, refusons de copier ce modèle, eh bien, il est clair que nous passerons à côté du lien du mariage. Je suis disponible pour toutes les questions sur le sujet WhatsApp 00. Voilà, voilà. Merci. Okay. Bonjour la famille. Bonjour. C'est mes fous. C'est des romans, hein, vous envoyez ce matin. Bonjour la famille. C'est mes fous. Je ne suis pas d'accord. Si tu as un suivi, toute injure du célibat, si tu as subi les injures sur le célibat, tu sauras vraiment que le célibat n'est pas une bénédiction. De côté biblique, la première bénédiction, c'est la santé. Deuxième, l'enfant. Troisième, les biens matériels, autrement dit l'argent. Au plus profond de l'explication, au cas où le célibat devient malédiction, c'est au cas où tu pratiques l'infidélité. Sans se marier, on parle du célibat. Rester sans infidélité est juste chez Dieu, mais pratiquer l'infidélité, ça devient malédiction. Konou nou kounou depuis Blita. Merci infiniment. Okay. Et bonjour à vous. Bonjour. Le célibat est une bénédiction, oui. Mais attendre trop aussi que je ne suis pas encore prêt, ce n'est pas bien. Soit tu as choisi d'être célibataire ou marié, c'est Hakim Dagbalepedo. Bonjour à tous. Bonjour. Mmh. Voyez-vous, point d'interrogation, Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul et il a été le premier à officier le mariage. Le célibat, écrit en gras, est une malédiction et ce n'est pas la volonté originale de Dieu d'être célibataire. Et le mariage est une bénédiction, a dit la Bible. Nat de Noukafou. Merci, monsieur Nat. Okay. Et chez la femme, le mariage va être accéléré à cause de la ménopause. Et si l'homme veut construire une maison ou avoir des millions avant de se marier, ses cheveux vont blanchir. Le mieux, c'est de se marier, puis avec la souffrance de chaque jour, la joie va venir. Certains ont réussi à cause du mariage. D'accord? Bonjour, est-ce qu'on peut... Oui, on va vous donner le numéro tout à l'heure. La personne veut le numéro de la coach Naïda. Coucou la famille Nectar, comment ça va? Vous êtes beau et belle ce matin. Merci. Il faut faire... Non, il faut pas. Non, ça sert à rien de répéter la même chose. Désolée, je vais lire le message. Et franchement, c'est dit avec un cœur dans la paix. Il faut faire comme la pose. Les hommes, vous vous habillez en femme et les femmes comme les hommes pour qu'on puisse voir. Non, vous l'avez déjà vu dans la pose. Si on fait ça encore ici, là, à quoi ça sert? Vous avez déjà vu ce que c'est qu'un homme qui s'habille en femme et qu'une femme qui s'habille en homme. C'est toujours la même chose. Et puis, de toute façon, je préfère que chacun reste vraiment comme Dieu l'a créé. C'est ça qui est doux. Bonjour, Nectar. Bonjour. Le célibat. Tarisme. Oh, ça là, c'est un frère d'Elias. C'est une bonne science. N'est ni malédiction ni bénédiction, c'est une vie propre à chacun, Alain depuis Kbalimé. D'accord, merci beaucoup à vous. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, comment va la vie? Au moins 3 sur 5 choisissent eux-mêmes le célibat. Sauf que, comme le dit Naïda, nous choisissons le célibat, mais ça ne veut pas dire que nous restons sans faire les bonnes choses. C'est quoi les bonnes choses? Hé, hey, maman. Je suis curieux. C'est toi qui vas être curieux, là. Oui, parce que, en tout cas, bonjour Nectar, vous êtes vraiment brillant sur le plateau. Merci infiniment. Et bonjour Nectar. Bonjour. Naïda, tu es célibataire? Question tag. Célibataire? Nkoubikole, tu me fais les yeux de quoi? On va prendre ton apport par rapport à la vidéo avant de clôturer avec Naïda. Navi Sandi? Oui, moi je dis le célibatorium, c'est un choix. Le célibatorium? Non, vivre la vie, oui, parce que être célibataire. En fait, qu'est-ce que nous mettons dans la vie de célibat? Oui. Quand on dit je suis célibataire, qu'est-ce que nous mettons dans la vie de célibat? Au fait, certains vont vous seul dire. Qui se bat, un non, célibatant.
Non. Quelqu'un va vous dire que je suis libre, je n'ai pas à faire ceci. Les femmes surtout, elles te disent être libre. Être libre, être célibataire. Parce que Neda a dit tout à l'heure, il y en a qui se disent célibataires, mais mènent une autre vie. Ouais. Mais elle est libre, là, elle mène plus. Vous voyez un peu. De la même manière, quand on parle de célibat, moi, je pense que c'est un choix. C'est un choix, pourquoi ? Parce que, moi, je dis, quand tu te détermines à rentrer dans une relation, c'est que tu es prêt. À moins que tu ne sois pas prête, ne rentre pas dedans. Et on ne rentre pas dans une relation, et après, on commence pas à se plaindre. Ah ouais, voilà. Ah oh, non, c'est pas comme ça. Donc, être célibataire, c'est un choix. Peut-être vous n'êtes pas encore prêt, vous restez célibataire. Mais rester célibataire et vivre une vie à deux ou bien une des vie fois, de couple, ce n'est pas ça. Le célibat, ce n'est pas un choix. Fois, moi, c'est un choix. Moi, je pense que c'est un choix. C'est-à-dire que tu veux te marier tu cherches, quand même. Mais tu ne trouves pas. Mais je crois que ne trouves pas quand même. Il ne faut pas qu'on dérape le débat. Dans la vidéo, ce que Mme Joanne dit, ce n'est pas que ce n'est pas bien de ne pas se marier. Voilà. Mais c'est le fait que, comme l'a dit Bachata tout à l'heure, si tu vas vers quelqu'un, la personne te dira à cet âge-là, tu n'es pas encore marié, c'est une malédiction. Voilà. Et du coup, tu te sens maudit. Et tu penses que tu transportes tous les malheurs du monde sur ta tête. Alors que. C'est une étape de la vie. Oui, il y a ceux qui ne vivent pas un long célibat, il y a ceux qui vivent un long célibat. Et après voilà. Je crois que le plus important, c'est de réaliser cette période-là. Oui. Comme l'a dit Semefa et comme l'a dit Madame Joanne, apprendre à se connaître. Oui. La période là, est une période où on se connaît, en fait. Oui. En ne se disant pas, eh oui, je viens de passer le cap des 30 ans, je ne suis toujours pas mariée, mon Dieu, quelle malédiction. Mm-hmm. Et comme on le dit, le poids de la famille et le regard de la société te dit, toi, ta sœur de 23 ans vient de se marier, toi, tu ne l'es pas encore. Ton frère de 25 ans vient de se marier, tu ne l'es pas encore, mais tu es maudit, toi. Et donc, ça fait qu'en fait, même ça nous retarde. Mm-hmm. Et qu'on va peut-être, au lieu d'attendre le bon ou la bonne, aller tomber sur quelqu'un qui n'est pas bien. Donc le célibat, si, je ne sais pas pour vous, mais moi je rejoins Madame Joanne lorsqu'elle dit que ce n'est pas une malédiction, dans le sens où que cela ne nous pousse pas à nous précipiter à faire autre chose. Je crois qu'il y a un amalgame qui est fait. Est-ce que le vrai problème des gens, c'est de ne pas être en couple ou de ne pas être marié? Mm-hmm. Parce que là, c'est le premier problème. Il y a des femmes qui sont en couple, mais tant que monsieur n'a pas donné la bague, elles sont voilà, sur leur nerf et tout, et puis bon, elles ont raison. Donc pour moi, quand je reviens au célibat, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ça dépend de la façon dont on le conçoit. Quelqu'un qui est célibataire, qui le vit bien, pour lui, c'est une bénédiction. Mais quelqu'un qui est célibataire et qui ne le vit pas bien, pour lui, c'est une malédiction. Mm-hmm. Le poids de la société, surtout en Afrique, il est réel. Oui. À partir de 20 ans même, on n'a même pas parlé de 23 ans, on l'a coiffé Sainte-Catherine, nous, d'où 25 ans, on descend. S'il te plaît, il n'a pas compris, coiffé Sainte-Catherine. Je vais revenir dessus, nous, sous les Clinton, j'avais. Donc, Sainte-Catherine, je crois que c'était une dame qui a vieilli et qui ne s'est pas mariée. Donc, on te dit, tu vas coiffer. Bon, je crois qu'elle avait une coiffure qu'elle faisait tout le temps. Et puis, on te dit, tu vas coiffer Sainte-Catherine parce qu'à partir de 25 ans, aucun homme ne te trouvera attirante. Et moi, je dirais que c'est vraiment faux. Donc, déjà, à 20 ans, on te stresse gentiment sur le fait qu'à 25 ans, tu ne seras plus attirante. À 24 ans, le stress prend un petit bond en avant. À 25 ans, toi, tu es fini. À 30 ans, n'en parlons même pas. Tous les jours, tu auras tes parents qui pleurent. Voilà. Quand la petite à côté se sera mariée, on te dira, tu n'as pas vu la petite. La maman de la petite à côté viendra dire, mais tu vieillis et aucun homme ne voudra de toi. Tes amis te diront, en tout cas, il y a tellement de choses qu'on te dira qui te feront te sentir mal. Mais maintenant, le vrai problème, c'est comment toi, tu le prends. Exact. Si tu es sûre de ta valeur, tu sais, je suis une femme, je ne me sens pas prête. Parce que le mariage, je crois qu'on ne sait pas ce que c'est avant de rentrer dedans. Oui. C'est tes responsabilités, non mais de ouf. Moi je dis, tu as tes problèmes, on te les pédio, ça ne va pas. Le gars a ses problèmes, ça ne va pas. Vous vous mettez ensemble, vous gérez vos problèmes, vous ajoutez des enfants qui ont leurs problèmes. Et tout ça, il faut pouvoir le gérer. Il faut être préparé. Il faut se préparer. Si tu es une femme qui aime trop parler, que quand ton mari va parler, tu puisses te taire et tu dises, ok, il y a ton caractère à retravailler. Et je crois que c'est ces petits couacs-là qui font que quand on rentre dans le couple, après on a des problèmes. Monsieur a parlé, tu ne dois plus parler. Alors que tu es quelqu'un qui a un caractère maintenant, mais fort. Il y a tellement de choses. Tu es quelqu'un qui est libre, penseuse, ou je ne sais pas, tu es une bonne vivante, tu ne prépares pas trois fois par jour. Toi, ce n'est pas ton souci. Mais attends, quand tu te maries, il faut s'occuper du ventre de monsieur. Les enfants vont pleurer la nuit, tu ne vas pas dormir. Je crois qu'il
il faut quand même savoir à quoi on s'attend. Mmh. Je suis choquée quand je vois certaines jeunes filles qui disent, elles ont voulu se marier, elles ont couru. Oh, ce sont des dames des pintons, les murs, c'est même pas intéressant. C'est... Ah ben tu voulais te marier, pourquoi? En même temps, c'était quoi du célibat. Je ne fais pas l'apologie du célibat. Ne va pas ce faire que je dis, ce que je dis, ce que je dis, Elias, moi je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme et je sais de quoi je parle. On doit se marier, mais il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache ce qui nous attend. Elias dit. Non mais c'est bon. Pour moi, est-ce que tu peux me laisser finir? Le but n'est pas de se marier, de divorcer le lendemain, oui, mais de se dire que non, ceci, aussi, cela. Mais maintenant, le but, des c'est que... aussi, de, non, que ce soit du jeune ou des parents, tu es célibataire. C'est de se marier. Oui, tu es donc, célibataire, tu ne vas pas te mettre à pleurer tous les jours. Oui, il faut le vivre. On maintenant, ne pleure pas en étant célibataire. Oui, mais tu peux me laisser finir. Quand tu parlais, je n'ai pas parlé. Quand le bon vient, finir. On se donne, et puis à cœur jaune, il va. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas. Laisse-moi finir mon développement. Tu dis le célibataire, la femme, c'est si, pas. Alors, est-ce que je peux finir en une minute je dis ce que aussi, j'ai à Naïda, dire. Si tu permets. Alors, ce que je dis... En étant jeune, arrivé à un moment, respecte, il faut ouvrir les yeux le temps de et essayer autres. De détecter la meilleure personne. Alors, soi. Donc, désormais, je vais emmener un sifflet. Je vais emmener un sifflet pour voir, voilà. Parce que... Assume qu'on ne soit pas d'accord avec toi. Assume qu'on ne soit pas d'accord avec toi tout le temps. Je ne peux pas aussi être là et accepter qu'on conseille à une personne de ne pas se marier. Je conseille à quelqu'un dit plusieurs, de savoir maman, comment entrer dans son vient, mariage. On se marie, vrai ou vrai. Non, mais qu'est-ce que je fais? Je défends mon point de vue. Ouais, mais laisse les autres aussi défendre leur point de vue. Naïda, c'est point bon. De vue, ça... Alors donc, le mariage, on revient, on revient bas la terre. Oui, le mariage, Féfé, s'il te plaît, regarde dans mon sac, il doit y avoir une boule avec laquelle je peux frapper. Regarde bien, il y a une boule rame, envoie-moi la boule s'il te plaît. Tom, tu sais que je vais frapper. Alors, le mariage est une chose importante. Le célibat, emmène la boule s'il te plaît. Le célibat est un passage important dans la vie. Ne sautons pas du cadre. Nous sommes avec la coach Joanne Fanou qui dit, et comme le dit Naïda, le poids de la société. Lorsque les gens commencent par te dire parce que tu n'es pas marié, donc tu n'es pas correct, ça fait que la période de célibat, on la vit différemment et on se précipite. Comme l'a dit Tiana, tu vas et c'est parce que la personne. Merci mon cœur. Voilà. C'est quoi le truc? Exactement. C'est une boule pour frapper toutes les personnes, la bouche de toutes les personnes quand je dis taisez-vous. Alors donc, ça veut dire qu'en fait, comme elle le dit, le célibat n'est pas une malédiction. N'est pas une malédiction dans le sens où vous prenez le temps de vous connaître. Tu l'as dit, si tu es une femme qui parle trop et que même tu parles trop et que déjà ton alentour te dit « Oui, alors qu'on peut en avoir des soins », c'est que tu commences dans ta période de célibat à te changer si tu veux te marier. Ce n'est pas forcé, mais c'est une bonne chose de trouver la bonne personne et de rentrer en couple dans le mariage et de fonder une famille parce que c'est même institué par le Seigneur. Maintenant, on ne va pas dire lui n'est pas marié, donc il n'est pas quelqu'un de bien, il est maudit. L'autre est marié, donc la personne... Non. Chacun fait son choix. Mais une chose est sûre, quand on est dans la période de célibat, c'est la manière dont vous percevez ce célibat-là qui est importante. Et cette manière-là, c'est de vous dire que vous n'êtes pas maudit, mais que vous devez vraiment vous connaître, profiter de la vie, vous préparer au mariage, et le tour est joué. Nous avons fini pour la pensée de ce matin, très chers amis téléspectateurs. C'est vrai que vous envoyez énormément de messages, on reviendra encore là-dessus. Mais nous avons plusieurs choses à faire, donc on va rapidement recevoir notre premier invité du jour, M. Lucien Kofi Agbeko, et puis on se retrouve juste après.
bien habillé, hein, vraiment, vous représentez dignement. C'est de quel côté du Togo on s'habille comme ça déjà? Bonjour monsieur Kofi. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. À chaque fois que je vous vois, vous savez, ça montre à quoi je pense. Vous savez à quoi je pense? C'est la deuxième fois que je vous vois et vous savez à quoi je pense? Non. Je pense à toutes ces jeunes femmes-là. On a madame Pépi Beauté qui est là, qui dépense des tonnes d'argent pour avoir le teint. Le teint que Dieu vous a juste donné comme ça, quoi. Voilà. Vous et Batiana, là, il y a des femmes qui se battent. Nous nous battons pour avoir ce teint-là. Et vous, vous avez ça comme ça. En vrai, son teint n'est pas si loin du mien. C'est vrai. Il suffit de bien voir. Oui. Les gens ne voient pas bien. Non, nous ne voyons pas bien. Mais en regardant bien, on réalise quand même que son teint. Son dièse le jour. Le jour et la nuit. Voilà. Donc c'est lui la nuit, quoi. Il est noir comme la nuit. La lumière et la télé. Aïda, Aïda, maman, faut prendre. Alors, ça fait plaisir. Vous êtes consultant formateur en audition financement de projet. Oui. Alors, on vous laisse dire bonjour déjà en regardant votre caméra. Ok, bonjour. Je suis Lucien Kofi Agbeko. Je suis un consultant formateur junior à rédaction et gestion de projets. Mmh. Donc aujourd'hui, je suis là pour que nous puissions parler de tout ce qui concerne le projet et les accompagnements. Projet et accompagnement. Je sais qu'en 2021, vous avez encadré des jeunes qui ont eu quand même des financements à hauteur de combien, par exemple? Bon, chacun a eu des financements à hauteur de 2 500 000. C'est-à-dire que ce sont des jeunes entrepreneurs? Oui, bon, ceux qu'on a accompagnés en 2021, pratiquement c'est une seule personne qui est déjà en activité. Les autres sont venus, ils n'ont même pas d'idée de projet. On les a accompagnés à les trouver l'idée de projet jusqu'à la concrétisation. Et ils ont reçu une subvention non remboursable de 2 500 chacun. Non remboursable? Oui, oui. C'est un détail important. J'ai mis mon projet, justement, j'ai écrit mon projet pour qu'on en parle. Oui. Donc, alors, comment ça se passe? Je sais que 2022 démarre comme ça et vous lancez exactement. C'est quoi? C'est un casting? C'est quoi pour pouvoir recruter des jeunes à accompagner? Comment ça se passe? Ok, bon, je pourrais dire que, en fait, par année passée, ce sont des personnes que nous-mêmes, nous avons choisi d'accompagner. Nous avons dit c'est mieux que la personne même vienne. Et ça, la personne serait beaucoup plus déterminée à travailler. Parce que l'année passée, c'était compliqué. Même si ces personnes aujourd'hui jouissent de ce que le travail que nous avons fourni, ça a été très compliqué. Même les appeler, t'envoyer même une photo pour pouvoir travailler et postuler. C'est un concours, tout un concours qui est à 4 étapes. Et donc, à chaque fois, il faut composer aussi en ligne. On les aide à faire tout ça. Mais même de venir, on va travailler, c'est compliqué. On dit, bon, il faut qu'on laisse les entrepreneurs ou bien les jeunes même viennent. On sait que tu es déterminé, tu es arrivé. Mmh. Donc, on peut t'accompagner selon ta volonté. Mmh. Donc, c'est pour cela que nous avons lancé cette année et à recruter ou bien accompagner 20 jeunes femmes et 10, ça fait que c'est 30 que nous voulons accompagner. Pas seulement pour un seul programme, mais bon, pour certains programmes déjà que je travaille avec. Mmh. Oui. Alors, il faut quoi comme critère? Il faut être, y a-t-il une définition d'âge? Y a-t-il, il faut quoi comme critère pour venir et faire partie de ce projet? Bon, pour âge, au moins nous avons dit c'est de 18 à 35 ans. Mmh. De 18 à 35 ans, parce que dans l'espace francophone, on parle de jeunes entrepreneurs, c'est de 18 ans, bon, à partir de 15 ans à 35 ans. Oui. Donc, quand nous nous limitons là-bas, parce qu'il y a certains programmes qui ne prennent pas au-delà de 35 ans, mais il y a certains programmes autres que tu peux dépasser 35 jusqu'à 45. Mm-hmm. Donc, ça dépend du programme aussi que nous essayons de fixer l'âge. Mais pour ce que nous avions lancé, c'est de 18 à 35 ans. De 18 à 35 ans. Quand vous dites des programmes,
quels sont ces programmes? Ce sont des programmes qui sont dirigés, je ne sais pas si on peut donner des noms, dirigés par quelle institution? Bon, par exemple, ceux qui ont réussi cette année, c'est le programme de promotion de l'entrepreneuriat de la fondation Tony Elumelu. Ah, c'est un Nigérian. D'accord. Donc, pour l'année passée, c'est ce programme, nous avions accompagné les gens. Et ils étaient 6 à être accompagnés. Donc les 6 ont reçu toutes les étapes possibles quand même, mais c'est 4 qui ont eu la subvention. Et parce qu'à la dernière étape, 2 sont recalés dedans, mais les 4 ont eu la subvention. Je rappelle aussi qu'au Togo, c'est 50 personnes qu'ils ont pris au Togo, c'est en 2021. Donc parmi les 50, nous avons... C'est 4 personnes qui accompagnent, qui font partie des 50 qui sont pris au Togo. Alors, c'est non remboursable, vous avez dit. Pour ceux-là qui ont eu les 2 500 millions, oui. Est-ce que vous, à votre niveau, vous faites un suivi pour voir si cet argent-là qu'ils ont pris, ils ont commencé, démarré vraiment l'activité? Bon, ok, bon. Comme nous l'avons dit, avant de commencer l'accompagnement, il y a un contrat qui est signé. Du début jusqu'à l'implémentation de l'entreprise. Okay. Oui, donc, même quand l'argent vient à la banque, il y a certains papiers que nous gardons chez nous pour pouvoir suivre la personne. Par exemple, hier, il y a une personne qui est allée à la banque. Je négocie avec le gestionnaire ou bien la gestionnaire de la banque pour que les transactions ne peuvent pas se faire facilement comme ça. Il faut un vrai suivi, parce qu'une fois, c'est d'avoir l'argent en main et tu ne sais pas faire ça sur un bouffé sans réaliser ce que nous sommes, l'objectif. Donc, ça fait que nous faisons un suivi très, 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 très efficace pour pouvoir réaliser la chose. Alors, j'ai une question pour revenir un peu derrière. Si le jeune, il est là, il a les idées. Oui. Il met sur papier, il vient vers vous, ou il a juste l'idée et puis il vient vers vous et vous sortez la magie. Bon, en fait, ça dépend. Même si la personne n'a pas d'idée, comme je l'ai dit au début, ceux qu'on a accompagnés, c'est une seule personne qui est en activité. Les autres, même, n'ont même pas d'idée d'entrepreneuriat. C'est nous. Nous l'avons... On les aide, c'est premièrement en rentrer dans le bain, les biabas de l'entrepreneuriat, les amener à comprendre la nécessité d'entreprendre. Maintenant, il y a d'autres qui n'ont même pas d'idée d'entreprise. Il faut qu'on découvre en eux qu'est-ce que la personne peut faire. Et après, c'est en cela que nous-mêmes, on s'occupe de quoi? De la rédaction de ces projets et tout jusqu'à la fin. Donc, c'est comme ça qu'on procède. D'accord, oui. Ça prend combien de temps? Bon, il y a des accompagnements pour Tony Elumelu, pratiquement, ça fait une année. Oui, l'accompagnement se fait sur une année. Donc, on reçoit, si vous êtes accepté, vous recevez la subvention à la fin de l'année. À la fin de l'année. De cette année, oui, 2022. Oui, ici, 2022. Par exemple, les décaissements ont commencé pour 2021 en décembre. OK. Oui, les décaissements ont commencé en décembre. Donc, quand vous commencez, le programme est déjà lancé le 1er janvier. Donc, ça va commencer. Il y a une première étape en ligne que vous allez composer en ligne. Donc, c'est ces étapes que nous souhaitons et vivement. C'est parce que si tu ne sais pas faire, tu échoues en première étape et c'est fini. C'est parti pour l'année prochaine. Wow. Donc, on fait tout possible pour accompagner, à suivre les étapes, parce que c'est un concours que c'est seuls ceux qui méritent qui vont aller jusqu'au bout. Oui. Parce qu'à chaque fois, on élimine. Donc, il faut être parmi les meilleurs avant d'être... Y a-t-il... il faut des niveaux d'études. Vraiment, quels sont les... critères. Les critères. Bon, en entrepreneuriat, en réalité, moi, je dis qu'il n'y a pas de niveau d'études, parce qu'il n'existe pas de niveau d'études. Okay. Pour eux, c'est d'avoir l'idée d'entreprendre, envie d'entreprendre, parce que c'est pour cela, dans les questionnaires, il y a des tests. Les questionnaires sont des tests pour voir si est-ce que tu es apte à entreprendre. Ce sont des tests de psychologie pour travailler sur ta personne. Oui. Donc, il n'y a pas en réalité de diplôme, mais simplement, il y a aussi le caractère de la personne et la disponibilité de la personne à entreprendre. D'accord. Ce qui veut dire que là, présentement, vous lancez un casting, on va le dire ainsi, pour que les jeunes eux-mêmes viennent vers vous. Oui, L'année dernière, c'est vous qui êtes allé vers eux. C'est ça. Cette année, vous voulez que eux-mêmes viennent, parce que quand tu es déterminé que tu viens,
tu sais vraiment comment t'engager pour pouvoir y aller. Et donc, comment on fait pour venir vers vous? Comment on fait pour participer? Quels sont les dossiers au moins qu'on doit avoir à la main? Bon, et simplement, pour venir, il faut d'abord, on existe ces personnes qui ont, aujourd'hui, on sait que surtout les jeunes ont ça, et la carte d'identité, c'est tellement très, très demandé, parce que c'est avec ça que nous allons travailler et toute l'année. Mm-hmm. Et aussi, à la fin, il faut avoir un numéro de compte de l'entreprise, au nom de l'entreprise, parce que c'est sur ça qu'on va décaisser aussi l'argent. Mais c'est tout cela, ça se fait à la fin. Oui, c'est lorsque tu es sélectionné pour la fin, il y a certains dossiers qui seront faits. Mais pour le début, c'est la carte d'identité surtout que nous travaillons avec, parce que c'est sur ça que tu as toutes ces informations. D'accord. Mmh. Donc, juste avec la carte d'identité, vous pouvez venir et postuler. Hein, oui. Chers amis téléspectateurs, chers jeunes, vous qui nous suivez présentement, nous sommes, je crois qu'en début, Sandy et Naïda parlaient de bonnes résolutions. Est-ce que vous allez encore refaire la même chose? Si je dis, je vous ai vu dans Nectar, je suis venue, je n'ai aucune idée de projet. Vous allez refaire la même chose que l'année dernière? Vous allez tout faire pour faire sortir cette idée ingénieuse-là? Ou alors aujourd'hui, vous voulez déjà que la personne vienne en étant motivée et en ayant un projet? Oui, nous allons encore faire pour, comme année passée. Et il y a un formulaire que nous allons mettre en place, peut-être d'ici lundi, ça serait prêt. Donc ça va dépendre de le niveau de celui qui vient. Il y a des gens qui sont en activité déjà, il y a des gens qui n'ont même pas d'idée. Donc les accompagnements se font selon la personne qui est venue. Donc il n'y a pas de souci pour dire que je n'ai pas d'idée d'entreprise. Tu peux venir sans idée d'entreprise. Nous, on va essayer ensemble de découvrir ça et positionner l'idée d'entreprise. Vous avez bonjour, moi c'est Maoulé. J'ai vraiment besoin de ce genre de financement. Je veux pouvoir assurer la distribution du gingembre bio dans toutes les pharmacies. Alors, ils ont même envoyé ce qu'il fait. Hein. Donc, merci. On va vous donner tout à l'heure le numéro afin que vous sachiez comment faire pour pouvoir toucher Monsieur Abeko et son équipe. Eh bien, une chose est sûre et certaine, est-ce que, c'est la dernière question, est-ce que vous ne travaillez qu'avec la fondation Elumelu, de Tony Elumelu, ou il y a d'autres fondations qui sont des fondations sur le plan national pour les accompagnements? Bon, pour la fondation Tony Elumelu, c'est directement, moi je ne travaille pas directement avec la fondation, mais c'est étant consultant, moi-même je prends soin de pouvoir faire des recherches sur les opportunités de financement qui existent sur le plan national et international. Okay. Donc c'est sur ça souvent que moi je travaille. D'accord. Parce que c'est pas ça, il y a c'était aussi des fois des appels à projets qui nous accompagnent, les associations. Mm-hmm. Peut-être il y a des appels à projets qui c'est telle association qui a telle vision ou bien des domaines d'intervention qui peut seulement postuler. Donc ces associations aussi nous les accompagnons à postuler à des appels à projets, tout ça. Donc Alors bonjour. Bonjour, moi je veux quoi? Le prix, j'en ai besoin pour ouvrir mon atelier. Eh bien, on va vous laisser un numéro, c'est encore mieux. Bonjour Nectar, les recrutements commencent quand? Alors on va dire que ça commence quand et puis le numéro de téléphone pour. Ok, bon, ça commence. Déjà, il y a certaines personnes qui s'écrivent. J'avais déjà fait une publication sur mon compte Facebook et j'ai mis un numéro et je suis en le 99 08 56 93, qui quand il écrit, il y a une personne qui s'en charge de ça. En fait, ce n'est pas moi qui s'en charge de recruter les gens. Il y a une personne qui s'en charge. C'est bien que je vais travailler avec ces personnes après, mais j'ai d'autres choses à faire avec moi. Oui, il y a toute une équipe. Tout le monde fait ce qu'il doit faire dans l'équipe. D'accord. Le 99 08 56 93, vous appelez sur ce numéro-là et puis on vous donnera les étapes à faire pour que vous puissiez déjà faire partir de l'aventure de cette année et pourquoi pas recevoir un financement de 2 500 000. Non remboursable. Non remboursable, c'est ce qu'il faut ajouter.
c'est, monsieur Pauvre dit c'est l'essentiel. 2 500 non remboursables. Et maintenant, vous, après ça, c'est venu, pourquoi vous bloquez, vous mettez des garde-fous et tout ça? Laissez-nous, on va gérer notre entreprise. L'essentiel, c'est d'avoir les 2 500 000. Hein? Vraiment, ou bien? Non. Non, je rigole. Franchement, pour tous ceux qui nous suivent. Moi-même, j'ai deux entreprises, je peux avoir deux fois. Si j'ai deux projets. Si elle a deux projets, elle peut avoir deux. Non, et avec ce programme, c'est une seule fois que tu peux. Dans toute ta vie, là. Tu peux bénéficier. Pour ça, l'étape là, c'est une seule fois que tu peux bénéficier. Oui. Mais ce qui est bon est que après ça, il y a des opportunités qui sont encore là. Mais il faut être d'abord bénéficiaire de la première étape. Et par exemple, l'année passée, qui ont eu déjà l'année passée, pour ils ont fait quelque chose de spécial pour les femmes entrepreneurs, les jeunes femmes. Et on les a fait voyager, ils sont partis à Lagos, au Canada et aux États-Unis. Mmh. Après tout, on les donne une subvention de 5 millions chacune. Voilà. Donc, ce sont des choses c'est, qui. C'est vrai que la fondation de Tony et Melou, on ne fait pas de pub, mais c'est vraiment une fondation qui. On appelle le numéro. C'est vraiment une fondation si qui me voit les gosses en France, c'est pas. C'est une fondation qui fait beaucoup hein. Donc on va pas tout dire, mais sachez que c'est vraiment une opportunité très alléchante si vous avez envie de vous réaliser pour cette année. Donc le 99 08 56 93 99 08 56 93 pour contacter l'équipe de monsieur Kofi Agbeko. Et puis bon ben espérons que vous êtes déterminés, que vous serez choisis étape par étape jusqu'à ce que vous obteniez ce financement-là. Donc, on dit feu, bonne chance. Mmh. Merci infiniment, monsieur Kofi. Et la prochaine fois que vous venez, essayez de nous ramener aussi une tenue comme ça, nous aussi, on va porter. Ok, merci. Non, comment ok, merci? Non, c'est parce que je suis laisser, en accord. Il peut laisser le chapeau en garantie. Ah bon, d'accord, oui, c'est une promesse. Comme je suis en accord. Il peut laisser le chapeau en garantie. Okay, on vous l'a dit, on va parler, on va faire un combined administration aujourd'hui avec l'excellent psychologue Saf et Pépite Beauté. On va parler de quelque chose à laquelle on ne pense pas vraiment réellement. Elle l'a dit le lundi, la bonne humeur. La bonne humeur. Nous, on est tout le temps joyeux, enfin, en général, sur ce plateau. La bonne humeur et la psychologie, ça a quoi à voir? Nous, on ne sait pas, mais on va les retrouver juste après le jingle. Psychologue Saf dans Pépite Beauté, je tiens à le préciser. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose avec l'apport professionnel du psychologue sur le plateau. Et tu l'as dit, on va parler de la bonne humeur, de l'effet de la bonne humeur sur le bien-être et la beauté. Sur le bien-être et la beauté, d'accord. Je sais qu'il va apporter pour la santé, mais ce qui me tient, c'est la beauté. C'est vrai que nous avions eu à passer des étapes de déprime. Il a même expliqué la dernière fois la différence entre les déprimes et les dépressions. Mm-hmm. Mais des fois, nous nous réveillons. Tu peux forcer, tu peux faire tout ce que tu veux. La mauvaise humeur est au garde à vous, même si on ne veut pas. Mais la plupart de mes consultations, j'ai remarqué dans les consultations que beaucoup viennent se plaindre par rapport à leur peau. Mm-hmm. Et dans les causeries, moi, j'ai l'habitude de demander, est-ce que ça va? J'en ai tellement eu, surtout cette dernière année. J'ai la peau ci, j'ai la peau ça. La dernière fois, quand M. Saf parlait, il disait que quand on a même des problèmes avec sa peau, des fois, il faut aller consulter le psychologue. Mais jusqu'à présent, dans nos mœurs, nous ne comprenons pas bien. On se dit tout le temps que ça, c'est les blancs. J'aimerais, avec vraiment son apport, qu'il nous explique un peu les effets, les dégâts et les avantages
de la bonne humeur et la mauvaise humeur, c'est-à-dire les deux à la fois. Mm-hmm. Parce que quand nous nous réveillons de mauvaise humeur, chez certains, ça se voit en même temps, c'est-à-dire c'est visible, c'est physique. Mm-hmm. Et c'est des cas que moi je rencontre souvent. Ce n'est pas affaire de produits. Si je te comprends bien, bonjour Monsieur Saf déjà. Oui, bonjour le plateau, bonjour les téléspectatrices et téléspectateurs. D'accord, les bébés, les enfants vont bien? Oui, on m'a dit de ne plus dire bébé. Donc, ouais, ça va. Ils vont bien? Oui. D'accord, alors la question posée, si moi je veux bien comprendre, c'est-à-dire que le fait d'être de mauvaise humeur peut agir sur la beauté, en apparence, oui. on sait que bon, forcément, être de mauvaise humeur, ce n'est pas, c'est interne d'abord. Donc psychologiquement parlant, c'est sûr que ça agit sur nous à l'intérieur. Ouais. Vous voulez dire que ça rejaillit également sur notre apparence? Exactement. Quand vous commencez le premier cours en dermatologie, ça commence par une phrase. Et cette phrase, je l'ai toujours gardée. La peau révèle ce que nous avons de plus profond en nous. C'est cette première phrase que vous gardez en dermato. La peau révèle en nous ce que nous avons de plus profond. Yes. Voilà. C'est pour dire que nos manifestations internes, ce qui se passe à l'intérieur de nous, est automatiquement visible sur notre peau. C'est ce que ça veut dire. Il y a un lien direct entre l'interne et l'externe. Vous avez les informations de l'environnement qui sont en contact direct avec la peau, qui influencent votre intérieur. Je donne un exemple. Vous avez eu des injures, c'est l'extérieur. Mm-hmm. Les organes de sensation, la peau en fait partie. Vous voyez, le toucher, c'est un organe. C'est pour ça que je disais l'autre fois, quand on est psychologue, il faut avoir une bonne base en biologie. Donc la peau est en contact direct avec l'extérieur. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, renvoie des messages vers l'intérieur. C'est automatiquement la même chose. Quand l'intérieur a des informations, il renvoie vers l'extérieur. Vous voyez? Donc, oui. La peau a un rôle très, très important dans notre vie et nos humeurs ont une influence indéniable sur l'éclat de notre peau, quoi. C'est comme ça que ça se passe. C'est automatique. Quand vous voyez, nous nous sommes plus bronzés, c'est ce qui fait que parfois, on ne le voit pas. Ce n'est pas trop visible. Mais quand vous voyez les personnes de couleur, les blancs, les jaunes et tout, tout de suite, quand ils sont énervés, vous voyez que leur peau change en même temps. Vous voyez? Or, être énervé vient d'une hormone. C'est-à-dire, c'est lorsque vous sécrétez certaines hormones dans l'organisme que la pression sanguine prend la vitesse et vous êtes tendu. Maintenant, cette tension va créer maintenant des stimuli et sur votre peau. C'est ce qui va faire que votre peau peut automatiquement changer. Donc, si vous réveillez le matin et que vous êtes de mauvaise humeur, c'est normal que votre peau ait l'éclat sombre. Quelqu'un demande, expliquez-nous ce que c'est que... Vous êtes sérieux? Oui. Ce que c'est que la bonne humeur et la mauvaise humeur. Okay. Bonne humeur, là, c'est quand tu ris. Ah, je rigole. Mais je crois que... Ben oui, c'est un peu ça quand même. La bonne humeur, c'est la joie. Et je sais que ce sont, comment on les appelle déjà, les hormones qui sécrètent... Les hormones du bonheur, c'est la sérotonine. Voilà. Et la dopamine. Et la dopamine, c'était ça que je connaissais. Voilà. Donc du coup, d'où le fait qu'on dit quelqu'un dopé d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc du coup, quand on sécrète ces hormones-là, tout va bien. Même quand tu viens, Elias t'énerve, toi tu ris parce que... À la maison, tout va bien, tu viens de gagner 2,5 millions, comme ça. On te dit, oh, tu ris quoi. Et je crois que quelque part, les gens se trompent en recherchant, peut-être que je vais trop vite, les gens se trompent en recherchant cette bonne humeur-là, c'est pour ça que les gens boivent. Tu vas voir que quand la personne boit, elle sourit, excusez-moi, vraiment, entre parenthèses, et qu'elle est sous, elle sourit un peu bêtement. Elle sourit quoi? Pour ne rien, elle sourit, elle pense que la vie est belle, elle rigole, même pour les choses où on ne devrait pas rire. Il y en a qui se droguent même. Voilà, pour rechercher cela. Ceux qui font semblant d'être heureux, par exemple.
mais là, visiblement, faut... sont de bonne humeur, mais au fond, ils ne le sont ils pas. Ils ne sont pas heureux. Est-ce que ça agit sur la peau aussi? Bon, c'est exactement. Que... Exactement. En fait, être de bonne humeur n'est pas forcément la manifestation extérieure de la personne. Mmh. Ce n'est pas parce que la personne rit, on voit tous les dents, toutes les dents, et puis on se dit, bon, il est heureux, non. Exact. La manifestation interne est plus importante. Se lever le matin, être de bonne humeur, on peut ne pas sourire. Mais intérieurement, on a une énergie et, qui nous dit que tout va bien. Vous voyez? Quand vous avez par exemple des objectifs et que ces objectifs sont atteints, on a des sensations. On peut ne pas crier, on peut ne pas sourire, mais on a une satisfaction interne. Et c'est cette satisfaction interne-là qui est la bonne humeur, en fait. Donc, ça nous renvoie un peu vers le bonheur, en réalité. Mais c'est lorsque, dans notre environnement, rien ne va, et puis on a des échecs, tout ne va pas trop bien, cette mauvaise humeur-là est là. Mais ce qui est un peu scandaleux, c'est qu'on l'extériorise parfois par des comportements déviants, en criant sur d'autres personnes, bon, en faisant des choses que d'autres n'acceptent pas réellement. Donc, c'est pour cela, quand vous venez en psychologie, en consultation, le psychologue observe. Et c'est la première chose que le psychologue observe, c'est votre peau. Voilà. Le psychologue observe votre peau. Quand vous venez en consultation automatiquement, le psychologue observe votre peau, il observe votre habillement, il observe votre cheveu, il observe tout ce que vous avez porté, le psychologue observe. Pourquoi il observe? Quand nous mettons perruque, vous observez les tout, perruques. Tout. Parce que... Mais quel est le rapport avec la perruque? Puisque la perruque ne démontre rien. Oui, je vais tout de suite te le dire. Quelqu'un qui vient en consultation, ça veut dire qu'il a un problème. D'accord? Ça peut être un problème de santé, ça peut être un autre problème. Alors, l'esthétique que la personne présente renvoie vers certains besoins. On ne porte pas les choses juste parce qu'il faut porter. Quelqu'un qui a porté les boucles d'oreilles, c'est pour ça que le psychologue doit être très méticuleux dans son analyse. C'est-à-dire, le prix même de l'habillement est très important. C'est-à-dire, la qualité des habits qu'il a portés parle. Au fait, c'est des messages qu'on renvoie. Non, mais là, excusez-moi. Oui. Excusez-moi, monsieur Saf, mais oui. On a dans toute l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique centrale, pour le peu que j'en sais, on va même dire australe, on a aujourd'hui les yubu-yubu, que nous appelons communément chez nous à Blouny, que les gens portent. Ouais. Parce que vous parlez de prix et autres. Ouais. Quand vous prenez quelqu'un qui a une grande aisance, parce que nous, dans notre tête, en fait, même c'est les personnes là-haut de Mupoto, elles ont une grande aisance, elles peuvent aller chez un psychologue, quoi. Parce qu'en général, là, quand tu as plein de problèmes, là, tu vas aller faire quoi chez c'est psychologue. Comprendre. Oui. Donc, quand vous prenez quelqu'un qui déjà est un baron de la richesse, donc naturellement, la personne s'habille. Classe avec des vêtements coûteux. Oui. La personne vient et parce qu'elle a porté des vêtements coûteux, vous la regardez, vous vous dites que ça va? Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec votre aisance, votre argent, tout ce que vous avez en banque et tout. Non. C'est-à-dire, quand vous recevez une personne en consultation, l'habillement doit vous renvoyer sur un certain nombre de comportements. Si la personne est sale, il faut en même temps comprendre quelque chose en psychologie. Si la personne vient avec des odeurs, il faut comprendre en même temps qu'il y a quelque chose. Maintenant, si la personne vient avec des habits de haute qualité, ça ne veut pas dire que forcément il est à l'aise. Non. Non. Ça, si tu fais l'analyse comme ça, tu te trompes déjà. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Les exhibitionnistes, ceux qui s'exhibent, peuvent porter des habits de toutes les qualités, mais qui peut avoir un problème de séduction. Oui. Tout de suite, on a parlé de célibat, on a parlé de mariage et tout. Vous avez en consultation une dame ou un monsieur qui est habillé de façon élégante, mais qui vient vous dire « je vis difficilement mon célibat ». Vous voyez? Ça veut dire que l'habillement, au fait, c'est pour séduire en réalité, c'est pas pour couvrir le corps. Vous voyez? Donc, la qualité de tout ce qu'elle a porté doit vous renvoyer en même temps sur ses besoins, sur son degré de séduction.
Vous voyez, quand vous habillez de trop, vous pouvez au fait renvoyer aussi les prétendants. Mmh. Ah bon? Oui. Merci Melka. Oui, parce que celui qui a envie d'aller vers vous, en voyant votre façon de s'habiller, il se dit, moi je suis déclassé. Mmh. C'est des choses qu'il faut comprendre. En tout cas, Kanye West et Kim, là, voilà. Il n'y a pas de problème là-bas. Voilà. Alors, on va revenir sur le principe d'aujourd'hui. Oui. Nous parlons de l'effet de la bonne humeur. Oui. Ah oui, pardon. Oui. Il y a des gens qui naturellement ont une belle peau. Oui. Sans effort, pas de boutons, rien. Exact. Qu'ils dorment ou pas, la peau, elle reflète toujours bien. C'est ça, la mienne. Le Sandy le dit souvent. Est-ce que ces gens-là, quand ils, même s'ils ne vont pas bien, ça peut se faire voir sur leur peau? C'est ce que je disais, quand la race noire, pour automatiquement voir qu'à travers sa peau, quelque chose ne va pas, c'est assez difficile. C'est assez difficile, mais dans les regards, on peut voir. Mmh. Vous voyez, c'est dans les regards de la personne qu'on peut voir. Vous savez, quand l'intérieur ne va pas bien, on peut faire tous les efforts possibles, on peut tout faire pour masquer, ça se sent. Mmh. Quand on est bien observateur, on est un fond observateur, on sait que quelque chose ne va pas. La personne peut faire tout, peut chercher à être bien avec vous. Quand tu le connais bien et quand tu observes bien, tu sauras que quelque chose ne va pas. À un moment donné, cette personne peut être dans le vide. Pour accompagner la question de Naïda, comme vous le dites, c'est vrai que nous, avec notre peau, c'est difficile de voir quand nous rougissons et autres. Ouais. Bon, il y a quand même des personnes, franchement, qui ont des problèmes de peau. Ouais. Dès que tu es stressé, tu as des boutons qui viennent, ou des choses comme ça. Est-ce que c'est la même relation que... quand tu passes, il y a des gens, quand nous passons, tu passes tout de suite dans un coin sale, elle est comme ça, c'est pourquoi j'en parle. Urticaire. Tout de suite, c'est de l'urticaire, c'est des choses qui sortent là. C'est-à-dire, ça change tout de suite, quoi. La personne se décompose. Oui. Et vu que nous parlons quand même de la sécrétion de la dopamine et de la sérotonine, qui sont ces hormones-là, quelle est leur importance? Qu'est-ce que ces hormones donnent, apportent au fait pour qu'on dise que parce que tu as de mauvaise humeur, tu seras plus vite ridé, tu seras ceci et cela. Concrètement, quel est leur rapport scientifique? Ok. Ces hormones, c'est des hormones entre guillemets de plaisir, de bonheur. Au fait, c'est ça ces hormones. Quelqu'un qui sécrète en permanence de la dopamine ressent des sensations très fortes qui sont des sensations de plaisir. Vous voyez? Maintenant, quand c'est l'inverse, vous vous sentez tout en stressé. Vous êtes frustré. Vous voyez? Vous êtes très, très, très irrité. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est irrité, dans le visage, on peut voir. Il fronce les mines souvent. Vous voyez? Donc, à force de froncer, les mines ont fini par laisser les traces, les rides. Vous voyez? Automatiquement, vous n'allez pas avoir l'âge, mais vous allez laisser des rides dans votre sur le visage, vous voyez. Et c'est ça qui traduit en même temps, ou bien qui influence en même temps votre beauté ou l'éclat de votre peau. Vous voyez, c'est la présence de ces rides-là, parce que la plupart, les grandes parties du corps sont entre guillemets couvertes. Et c'est peut-être le visage qui est souvent visible et les autres parties du corps. Et la plupart des temps, chez certains, c'est les cernes. Voilà. Chez d'autres, c'est les contours des yeux qui noircissent ou qui ternissent sans utiliser un produit dépigmentant ou sans avoir utilisé. Chez d'autres encore, c'est la perte des cheveux. Chez d'autres encore, c'est les ongles qui se cassent. Voilà. Chez d'autres encore, c'est les boutons. Exactement. C'est les boutons. Ce sont les effets néfastes de la mauvaise humeur. Voilà. Donc, maintenant, même que parce que quelqu'un t'a énervé, tu te réveilles le lendemain avec des boutons sur le visage. Ça dépend. Et quand tu dis boutons, les acnés. Ce sont les acnés. Ah bon? Oui, quand on parle de boutons, c'est des lésions. Et on aura le temps prochainement de parler des boutons. C'est quoi même? Parce que nous confondons les bourbouilles aux boutons. Bourbouille n'est pas bouton. Il y a les boutons d'amour aussi. Les boutons d'amour, moi, je pense que c'est des mythes. C'est des mythes. Je pense que c'est des mythes. Ouais. Mais si nous revenons, par exemple, toujours à la bonne humeur, je vais vous faire une petite lecture qui dit « La bonne humeur éloigne la déprime, améliore la résistance au stress, calme les poussées d'adrénaline et stimule la production
de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Mmh. Au même moment, la bonne humeur s'associe à notre santé, notre longévité et notre beauté. Voilà. C'est ça. Donc, quand nous prenons ce réveil tout le temps, parce que des fois, il y en a certains qui n'ont pas de problème, mais au Dunawa de Kwe, les ruminations. Il y en a qui se ruminent à tel point que. Ruminer. Oui, ils passent tout leur temps. Il y en a, c'est vrai que c'est des problèmes. J'ai eu à rencontrer une dame, ça fait longtemps. Ils étaient passés en consultation. Elle était de teint clair. Mmh. Avant de me rencontrer, elle parlait de. Des vrai petits... teint clair? Oui, oui, teint clair naturel. Et elle était passée en consultation parce qu'elle avait certains petits problèmes. Vu qu'elle a été commerciale sur un temps donné, elle était exposée au soleil. Vu que les rayons solaires aussi font des effets sur certains types de peau, je lui ai expliqué et elle a compris. Et je lui ai recommandé un lait de bébé à utiliser quand elle est au soleil. Mais quelques temps après, après 3 mois, elle surgit que ça ne va pas. Je lui ai demandé si elle a repris les activités au soleil. Elle me dit non. Heureusement que le mari était là. Le mari lui dit, Joe Tonyaone, elle a d'autres problèmes. C'était un stress par rapport à la conception. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que vous pouvez utiliser des produits de millions. Voilà. Tant que l'intérieur ne va pas bien, ça rejaillit à l'intérieur et ça ne va pas. Des fois, vous vous reposez bien, la peau même vous dit, je suis là, ça va. De la même manière, des fois, nous accumulons tellement les pressions, beaucoup de choses qui agissent, qui s'extériorisent sur la peau. Mais quand on le dit, beaucoup ne comprennent pas que les normales, ben, et elle est boutamée, quoi, elle est agie, ou bien on a des problèmes de la peau. Exactement. Oui. Comme elle alors, a dit. Elle a une question, on va. Oui, on va oui allez-y. Une aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas vivre sans stress. Tout ce qui nous entoure, généralement, plus tu as de responsabilités, plus tu grandis, plus ce stress vient. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Parce qu'elle a parlé de la dame était commerciale. Je sais que c'était déjà assez stressant en tant que commerciale. Mais après cette étape, il y a eu le problème de la conception. Après, il y aura d'autres problèmes. Et vu qu'on est assujetti quand même à ça, on fait quoi concrètement? OK. Et nous vivons dans un monde où le stress est là en permanence. Je suis d'accord. Mais comment vous gérez votre stress? C'est-à-dire... quelle est l'importance que vous accordez à toutes ces pressions-là par rapport à vous-même? C'est vous-même d'abord. En réalité, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Nous avons tendance à faire plaisir aux gens. Au fait, c'est ça le problème de l'homme. C'est-à-dire, on veut plaire aux autres. Et oublier soi. Quand vous vous oubliez, c'est fini quoi. C'est-à-dire, vous faites tout, vous subissez les pressions des autres pour juste leur donner plaisir. Et maintenant, vous, intérieurement, vous souffrez. Parce qu'il y a des choses qu'on vous dit de faire, que vous êtes obligé de faire et que intérieurement, vous n'acceptez pas. Mais vous n'avez pas cette capacité de dire non. Vous voulez toujours dire qu'on... Nous avons cette tendance à dire, oh, on doit me voir bon. Je dois être apprécié par les autres. Ce regard de la société, je dois être pour les autres quelqu'un de bien. Mais vous n'êtes pas bien pour vous-même. C'est vous-même d'abord. Si ça ne va pas, dites ça ne va pas. On ne vit pas pour faire plaisir aux autres. Moi, j'ai des passions, oui. Mais je minimise. C'est-à-dire, il faut savoir minimiser ces pressions, ces stress-là. Je donne un exemple. Je suis au boulot. J'ai des obligations au boulot. Dès que je quitte mon boulot, je laisse derrière moi ces obligations. Ce n'est plus avec moi, quoi. Je ne peux pas transporter ces obligations du boulot. Je reviens à la maison parce que j'ai d'autres obligations également à la maison. Donc, si je cumule toutes ces pressions, je vais faire plaisir. Je vais chercher à répondre à tout le monde, à satisfaire tout le monde. Mais moi-même, intérieurement, ça ne va pas. Je suis là à travailler pour les autres. Je dois tout faire pour les autres, alors que moi-même, je suis là. Donc, c'est à un moment donné, il faut savoir aller au-dessus de ces pressions. Savoir que c'est un monde où, quand je me lève aujourd'hui, j'aurai des pressions. Je donne un exemple. Vous êtes avec votre femme. Si aujourd'hui, elle vous demande quelque chose, vous devez le faire. Ne pensez pas que si vous finissez ça, demain matin, il ne va pas vous demander. Il y a d'autres choses à demander demain matin. Donc, vous devez répondre. Et le lendemain, à un moment donné, il faut savoir répondre aux besoins. Il faut savoir répondre et répartir les priorités et dire non. Voilà, ça suffit, ça, je ne peux pas le faire parce que je dois faire tant. Et vous,
en ce moment, vous ne commencez pas à gérer le stress. Mm. Parce qu'à un moment donné, vous allez dire non pour se soulager. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, donc ça veut dire que vous devez tout moment répondre aux autres, être prêt pour les autres. Et vous-même, vous n'êtes pas vous-même. Voilà. Alors, comme l'a dit Naïda, ce matin, dans Pépite Beauté, nous avons parlé de l'importance de la bonne humeur, oui, et de la mauvaise aussi, hein, forcément, ouais, sur la beauté de notre peau. Ouais. Et c'est très important de pouvoir se créer des zones de confort. Ouais. Donc, comme le dit le psychologue, se créer des zones de confort, c'est parfois juste relâcher la pression. Ouais. Il est impossible de ne pas être sous stress de nos jours, quoi. Ouais. On va se mentir. Voilà. Mais apprendre à relâcher la pression et puis à faire comme le dit Félix, sortir de son corps, se regarder vivre et s'occuper de soi un peu, se chouchouter, voilà, dire non, ça va aller, je relâche tout, j'ouvre les soupapes, tout n'a qu'à sortir. Et puis ensuite après, on est requinqué et ça rejaillit sur notre peau. Voilà. Maintenant, moi je dis aussi, hein, c'est sûr, on parle là vraiment du côté psychologique et tout, mais buvez beaucoup d'eau. Ça aide aussi à avoir une belle peau. C'est pas toi qui dira le contraire. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre cette émission, mais avant cela, bien sûr, vous savez, le psychologue, ça ne peut pas être lassant de ne pas donner son numéro. C'est une pression. Ah oui, je Il doit satisfaire les téléspectateurs. Oui, je donne surtout pour leur bonne humeur. Voilà, voilà, c'est ça. Ok, c'est le 90-83-65-59. 90-83-65-50. Voilà. 59. Ah, voilà, j'ai fait exprès pour voir si vous me suiviez. Oui. 90-63-83-65-59. Voilà. Mettez la pression sur lui, c'est son travail, il l'a choisi, il ne va pas vous fuir. Voilà. Non, je ne fuis pas, mais c'est quand je quitte le bureau, c'est Donc fini, vous ne recevez pas d'appel professionnel à la maison? Non, je reçois, mais je ne... si c'est professionnel, je dis le lendemain. Tu m'as Et si je veux me suicider là, à cause de Goumet? Si c'est tout de suite, je vois que c'est urgent, je te donne un rendez-vous. Je me lève, je m'en vais. D'accord. Voilà. Là, vous êtes un bon psy. Ouais. Et pour pouvoir parler beauté aussi, c'est important, hein, quand on a maintenant, malheureusement, laissé libre cours à la mauvaise humeur et que la peau, malheureusement, commence par avoir des petits bobos, il faut appeler Miss 90-27-92-00 pour pouvoir aller se faire traiter là-bas. Quand elle aura fini pour l'extérieur, elle va vous envoyer chez le psychologue ça pour l'intérieur. Voilà. On est bien d'accord. 90-27-92-00. Cette fois-ci, exactement, nous allons parler de deux choses. On va aller aux informations et également retrouver Papa Elias pour le sport. Merci. Le psychologue, ça fait partie. Elias déprime, hein. Franchement, il faut qu'on puisse l'aider. C'est temps qui sont les derniers. Elias, oui, mais tu vas bien? Tu es heureux? Très heureux avec grand H, ça va, à très grande forme d'ailleurs. Tu es sûr? Forme olympique. Forme olympique. Qu'est-ce que c'est? On vient d'en parler. L'hormone de la joie. Ah, je suis débordant de joie. Tu es débordant de joie. Débordant par où? Ah, les confins, c'est ça. C'est ça, parle. Ah, ok, voilà, donc on parle de sport, bien sûr, on va encore revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations, comme on l'a dit déjà le lundi. Ça démarre dimanche? Ça démarre le dimanche, le 9 janvier, au Cameroun. Ce que je vais ajouter par rapport à là, par exemple, c'est que normalement, c'était en 2019 que le Cameroun devait organiser cette CAN. Oui. Mais parce que les installations n'étaient pas prêtes et tout, on a dû donner l'organisation à l'Égypte qui l'a organisée. Et maintenant, c'est en 2021, normalement aussi, que cette CAN devrait être disputée.
dit, puisque c'est deux ans que ça se fait, mais pour raison de pandémie, oui. Ouais. Cette CAN a été ramenée donc en 2022. Et comme tu l'as dit, c'est le dimanche que le coup d'envoi va être donné par le match Cameroun qui sera face au Burkina Faso, les étalons. Alors déjà, après cette information, je rappelle aussi que ça fait la deuxième fois que le Cameroun organise cette compétition, puisque le Cameroun l'a organisée. Moi, j'ai une question. La coupe, là, elle est faite en or. Les coupes qu'on donne pour la CAN, Coupe du Monde, c'est en or. Oui. Qui garde? Mais elle retourne. Non. Ça retourne à la fédération. Donc c'est la même coupe qui revient chaque. Oui. Ça sert à quoi? Jusqu'à ce qu'on ne change la coupe, jusqu'à ce qu'on ne change le format. Il y a un nombre de fois quand vous êtes. C'est que successivement ou bien si je gagne après 5 ans plus. Si vous gagnez successivement 3 fois, je pense que ça devrait rester. Successivement. C'est successivement? De toute façon, personne n'a encore fait. Donc gagner personne n'a jamais gagné pour garder la coupe. Non, pas la Coupe d'Afrique, mais la Ligue des Champions a été remportée par le Real Madrid, non? Trois saisons de suite. Oui. Trois saisons de suite, oui. Je pense avec Zidane. Zidane un truc. Ah, Zidane, quand c'est ça. Allez, Zidane, je crois bien. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont gardé la coupe en ce moment. La coupe? Oui. Non, elle est là, elle est actuellement au Cameroun, certainement. En attendant, c'est lui qui va la remporter. Oui. Parce qu'on sait quand même qu'en 2019, c'était l'Algérie. L'Algérie qui l'a remporté avec un somptueux coup franc de Mahrez d'ailleurs. L'Algérie qui est actuellement l'un des favoris pour encore remporter cette CAN-là. On sait, on parlera d'Algérie, on parlera du Sénégal aussi. Le Sénégal qui malheureusement n'a jamais remporté la CAN, malgré tous les grands joueurs qu'on sait pour le Sénégal. Et parlons des groupes. Nous avons 5 groupes qui sont là en liste. Déjà, si l'image peut être affichée pour qu'on puisse voir les groupes de la CAN. Dans le groupe A, nous avons le Cameroun, le Burkina Faso, comme on le disait. Nous avons l'Éthiopie et le Cap-Vert. Dans le groupe B, nous avons le Sénégal, le Zimbabwe, la Guinée, le Malawi. Dans le groupe C, nous avons le Maroc, le Ghana. Nous avons aussi les Comores et le Gabon. Dans le groupe D, nous avons le Nigeria. Nous avons l'Égypte, le Soudan, la Guinée-Bissau dans le groupe D. Dans le groupe E, nous avons l'Algérie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire qui est aussi en favori, bien sûr. Ce qu'il faut rappeler aussi, en rappelant que c'est le Cameroun est à sa 20e participation en termes de CAN et qu'elle l'a remporté récemment en 2017. En 2017, rappelons que l'Égypte est à sa 25e participation, c'est pas rien, et que la dernière fois remportée, c'est en 2010 que l'Égypte l'a remportée. Nous avons la Côte d'Ivoire qui est aussi à sa 25e participation et qu'elle a remportée récemment en 2015 avec l'air Yaya Touré et tous ces grands noms. Nous avons le Ghana qui est à sa 23e participation, mais qui l'a remportée il y a très longtemps. Le Ghana l'a plus remportée il y a longtemps. C'est aussi là ce qu'on se dit, parce qu'avec ce pléthore de joueurs qu'ils ont, les Ayou qui sont passés, Diane et tout ça, n'ont malheureusement plus remporté dans les 10 dernières années. Donc vivement qu'ils fassent une surprise, puisqu'on ne les classe pas trop dans les tops. Alors il y a l'Algérie qui a sa 19e participation et qui l'a remporté, comme je le disais, en 2019. Ouais. Donc voilà ce qu'on peut dire par les mails sur les informations qu'on a. Nous avons une petite vidéo qui montre les stades qui vont être utilisés au niveau du Cameroun. Si la vidéo est là, quelques secondes rapidement pour qu'on puisse voir les stades qui vont abriter les matchs avec la régie. Si elle est prête, on y va avec la vidéo. Voilà. Il doit avoir du son. En tout cas, ça fait super. Ça fait 6 stades en général, au total. Et puis, il y a le stade Obempe qui va accueillir les grands matchs, dont celui de la poule A qui est à Douala. Voilà. Mm-hmm. C'est tout qu'on peut dire rapidement. C'est vrai qu'il y a le côté Corona aussi qui agit beaucoup parce que je pense qu'il y a l'équipe du Gambie, oui, quelle équipe là, qui a eu déjà plus de 15 cas signalés dans l'équipe jusqu'à ce qu'il n'ait reporté certains matchs amicaux de préparation. Donc, nous espérons quand même que cette pandémie va être maîtrisée et que les dispositions vont être prises pour qu'elle ne
vienne pas gâcher la fête du football continental, comme on dira. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, on souhaite bonne chance et du beau jeu. Hein. Je tiens à le rappeler que vous retrouverez tous les matchs de la CAN sur la chaîne mère, la télévision togolaise. Donc, à partir de dimanche, restez calés et câblés. Rapidement, Cameroun, Burkina, pronostic 15-22. Je n'ai pas de pronostic. Souvent, les matchs d'ouverture sont. Enfin, Aïda ne pronostique que pour quand le Togo est en lice. Mbappé doit venir jouer pour le. Real Madrid Non, pour son pays. Le Cameroun. Oui. Non, c'est pas possible. Je sais qu'il a soutenu. Parce que le Cameroun n'est pas loin là. Naïda prend rapidement un petit. J'ai oublié que tu es resté chez nous. Laisse ici. Bonjour, Féfé. Bonjour. J'ai trois options. Vas-y. Bélé, Alice, on va s'en sortir avec toi en 2022. On a des options. D'accord. Alors, on a donc Féfé qu'on n'a pas vu depuis le début, mais qui était là. Hein. Tu as quel problème? Qui t'a contaminé? C'est Elias. Moi. On parle des lunettes? Moi. Elles lui vont bien. En tout cas. En plus, le bonjour, plus, Féfé. Plus, on se donne un genre en 2022. Donc. Ah. C'est ça. Est devenue Bonjour téléspectateurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé ces presque 2 heures là à notre compagnie. Quand même, vous avez pris beaucoup d'informations. On va toujours continuer avec les informations. On va rappeler un décès qui a mis, vers la fin de 2021, le décès de Desmond Tutu, qui est une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il est mort à l'âge de 90 ans et on rappelle qu'il a été aussi prix Nobel de la paix en 1984. Et quand j'ai fait des recherches sur lui, j'ai découvert que c'est lui qui a donné à l'Afrique du Sud le nom de nation arc-en-ciel. Donc voilà, c'est un grand homme que nous saluons sa mémoire. Nous continuons un peu avec les décès aussi. On va parler du décès des frères Bogdanov qui sont décédés l'un après l'autre. Ils étaient beaux en plus. Ils sont l'un 6 jours. Ouais. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux. Et après, en grandissant, on a remarqué beaucoup de transformations au niveau de leur visage. Ils n'ont pas donné jusqu'à ce jour, jusqu'à leur mode d'explication ouverte par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé. Il y a l'homme même qui a laissé échapper une fois qu'ils ont été des victimes pour une expérience scientifique sur certains trucs. Une expérience scientifique en termes de chirurgie. En termes de chirurgie, il y a d'autres qui disaient qu'ils voulaient rester jeunes indéfiniment. C'est pourquoi ils ont fait de la chirurgie. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé, mais finalement, ils n'ont rien dit ouvertement jusqu'à leur décès. On va continuer. À 72 ans quand même. Oui, à 72 ans. On va aller à la troisième information qui est relative à ma soeur chérie. Récemment, il y a une image qui a circulé. Je ne sais pas si on peut voir l'image. Naïla, tu as embrassé quelqu'un? Oh, Kanye West. On a vu Naïla. On a aperçu Naïla. Tu vas me le payer. Dis-moi. En fait, Kanye West, qui, selon les dires, ne se remet pas de sa séparation avec Kim Kardashian, il a récemment payé une maison juste en face de celle de Kim Kardashian. Et c'est lui déguisé en arbre devant la maison de Kim pour l'espionner. Carrément. Il a fait ça. Bon, amour, écoute, Kanye, ça. Ce que moi je te conseille, hein, Kanye, c'est de tu peux rester en arbre, mais tu viens à Fauna Cultura. Et puis le tour est joué. Et la dernière information. En tout cas, si on suppose que Kanye West n'a pas réussi à reconquérir Kim, il a quand même un moyen de se venger. Le tear gun, le pistolet arme, c'est un pistolet qui a été fabriqué par une jeune femme qui transforme les larmes en balles et qui les tire à celui qui t'a fait pleurer. Il me faut ça. Il faut ça sur ce plateau. Donc quand tu places ça comme ça, quand tu verses une larme, ça se transforme en boule de glace et puis le pistolet te permet de tirer ça sur la personne qui t'a fait pleurer. Mais c'est inoffensif, hein, c'est ça? Ça peut faire mal, mais c'est pas. C'est inoffensif. Ça peut faire mal. Qu'est-ce qui lui a fait faire ça? Elle était étudiante étrangère dans un pays. Elle a eu goumé. Elle a pas goumé, mais elle a subi beaucoup de souffrances par rapport au fait qu'elle était étrangère et tout. Et durant même un exposé, elle a pleuré. Et après, ça l'a donné l'idée de créer. Elle est rentrée avec une arme à balle. Le peuple dit c'est pas bon, tu as bien. En tout cas,
En tout cas, merci beaucoup à toi, mon cher Félix. Il s'en passe des choses. Hein. Transformer ses larmes en balles. Moi, c'est Kenny West qui va vous dire. Écoutez, merci infiniment. Nous étions avec la ravissante Melka Kouadan qui a tout géré de main de maître comme toujours. Monsieur Foyem et toute l'équipe là-haut, on vous salue hautement et fortement. Merci à Rodi qui est arrivé très en retard. Merci donc à Bachana. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, la famille. Et surtout, merci à vous, très chers amis téléspectateurs. On vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie des autres programmes de la télévision togolaise. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye et à demain.